Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le finale de Pokémon Platine Evolution Randomizer Challenge CDGF. Comme vous l'avez vu, nous sommes, c'est sérieux, nous sommes devant la Ligue Pokémon de, je sais plus comment ça s'appelle déjà cette ville et cette région. C'est pas Sinnoh, attends, Kanto, Johto, je sais plus quoi, donc ça va être Sinnoh je crois. Donc de Sinnoh, et donc nous allons nous diriger vers la Ligue Pokémon, nous sommes déjà devant la Ligue Pokémon, et surtout, la consécration, c'est la consécration de la sœur, la consécration de 36 épisodes ensemble. Donc, allons-y sans plus tarder. Comme vous l'imaginez, j'ai quand même soigné les Pokémon, ils sont en pleine forme, et surtout, il y a quand même des bonnes choses. Je sais par contre que je ne pourrais pas utiliser Software, du fait qu'elle est qu'au niveau 41. Elle ne respecte pas la règle des 5 niveaux. Donc Software ne sera pas utilisé durant le let's play. Enfin, durant ce combat final. Elle sera utilisée que lors de tentatives. Enfin, lors de récupération de Pokémon blessés ou morts. Et maintenant, en face, nous attend l'ouverture. Oh! Arrête tout! Ne fais pas un pas de plus sans moi! Tu vas t'attaquer à la Ligue Pokémon? Hein? Moi aussi! C'est pour ça que je suis là! Je te défie! Comme ça, on va voir à savoir qui est digne d'affronter le Ligue Pokémon! Évidemment! Qu'est-ce qui peut fonctionner contre Montalo? Psychoquack, niveau 48. Contre Montalo, niveau 47. Ok, lance-soleil. Allez, lance-soleil! Yeah! Donc, contre Hydro Canon, c'est pas trop grave, c'est un Pokémon haut, donc c'est pas trop grave, ça va me faire mal. Enfin, pas extrêmement mal normalement, voilà, parfait. Et tu reçois le lance-soleil dans la gueule. Voilà, au revoir normalement, c'est gros quoi! Au revoir. Au revoir. Parfait. Au revoir, Psychoquack. Parfait. Mon Zaymon est fort. Finali. Donc, le Pokémon que je peux justement m'occuper. Donc, on va l'attaquer par un Pokémon. Finali, donc c'est un Pokémon plante. Il faut attaquer avec un Pokémon feu. Donc, merde. Here we go. Mia. Contre Finali niveau 50, j'imagine. 51. Ok. Surchauffe. Ça devrait pas le tuer, mais ça devrait quand même au moins le mettre quasiment en KO. Ah bah ça KO. Ok, parfait. C'est parfait. Finali, au revoir. 2142 points d'expérience. Draco. C'est un Pokémon Draco. Bon, ouf. Tonton Zaymon, même si j'en suis pas sûr. Parce que Draco est quand même haut. Donc il devrait quand même toucher, il devrait quand même toucher par le lance-soleil. Niveau 48. Lance-soleil. Croissance, si tu veux, ça ne dérange pas. Attaque spé, toi t'as plus d'attaque spé, ok. Et tu mets lance-soleil dans la gueule. Normalement, vu que t'es Pokémon haut, tu devrais te toucher. Enfin, je croyais. Lance Draco. T'augmentes à nouveau ton attaque. Ok, et ta vitesse. Ultra laser. Lance Draco. Ça ne sert pas à grand chose si tu ne m'attaques pas. Ok. Ah bon, tu te prends ultra laser dans la gueule quand même. Radar ne suffit pas. Il fait Drago souffle. Et vu qu'il y a eu deux fois attaque, il a trois fois attaque, ça risque de me. Non, ça me touche pas. Parfait. Escalade. Ah, il fait Redrago souffle. Donc je suis mort. Je suis mort. Ah, c'était prévu. C'était prévu. Il va mettre Samba à la place. Pour faire une ultra.
Mazdos. Gros queue, mais ça devrait pas me tuer. Ça devrait quand même bien m'utiliser, mais pas me tuer. Voilà, parfait. Normalement, Mazdos. Poum. Voilà. Bien beau, bravo, ça me va. Gros teamwork. Ok, 1480 points d'expérience. Noctalie, on va changer de Pokémon. Et on va mettre Mouni. Ça m'a enchant. Reviens. On y go. Mouni. Noctalie donc. Lui, il respecte plus la règle, hein, parce qu'il a quand même deux Evoli, comme moi. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plus brutement, en fait, finalement. Charme. Oh. Oh, putain. Ok, je suis dans la merde. Oh là là, putain. On la provoque. Ouais, ça va être très long, hein. Parce qu'il a mis il a fait justement charme Imperavalsi option Rafal Captain Baby. Non, c'est pas Rafal Psy le chanteur, hein. J'étais oublié de la faire à un moment donné, hein. Excusez-moi. Bon, provoque. Ok. Surf à nouveau. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de cette attaque? À part éviter que la personne le combat se termine. Bon. Ah. Bon, mais là je comprends pas pourquoi il a fait ça. Continuons. Mea donc. Contre Branette. Sérieusement, Branette quoi. Bon. Surchauffe. Ah putain, ça rate. Fuck. Ok. Précision du Mea baisse. Allez, surchauffe. Voilà. Ça devrait pas te tuer, mais ça devrait quand même bien t'épuiser. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Vent mauvais. Eww. Voilà, surchauffe. Normalement, ça devrait être bon pour tuer Branette. On va Branette. Ça c'est fait. 1801 points d'expérience. Et parcours. Ok, on va changer. On va garder le même Pokémon. Et un bout de feu. Une attaque physique. J'ai totalement confiance en celui-ci, j'ai aucune raison de m'inquiéter. C'est un parkour, mec. Parkour. Ah, je suis cool. Vous comprenez, c'est la fin du let's play, donc là, je dis n'importe quoi. Vous comprenez? Point comète. Deux fois. Trois fois. Ok. Non, ça vous pas vaincu. On va s'en sortir parce qu'on est géniaux. Non, attends, t'es pas géniaux, t'es mentalo. Géniaux, on a déjà un géniaux, nous. Et bon, on est pas dans l'équipe d'ailleurs. Mais n'empêche. Et on a battu par cool. Cool, mec. Ok, donc 835 points d'expérience. Je suis mort. Vous comprenez ça? Bon. Continuons. Voilà. Eh bien, j'imagine que je ne suis pas prêt pour la Ligue Pokémon si je perds contre toi. C'est trop nul. Mais attention, je vais m'entraîner et gravir les gestions jusqu'au sommet de la ligue. Je vais être le maître, le plus grand dresseur de Sinnoh. Attention TGF, ne t'avise pas de perdre contre quiconque avant moi. Ok. On va soigner le Pokémon d'abord. Voilà, soignons le Pokémon. Le combat contre le dresseur rival s'est bien passé, donc on va y aller directement. En espérant bien sûr avoir de la bonne énergie, puisque comme vous l'avez compris, c'est un randomizer. Donc c'est-à-dire que les Pokémon que vous avez l'habitude dedans, on va dire, je conseille des 4, mais pas le même. Donc on va avoir des bons trucs, on va avoir des mauvais trucs. Je dois d'abord vérifier ton aptitude à rentrer dans la ligue Pokémon. Laisse-moi voir tes badges. Le badge charbon de Charbeau, le badge forêt de Vestigion, le badge fantôme de Niopolis, le badge pavé de Walarok, le badge balustre de Pierre-Champ,
le badge mine de Jolie Berge, le glatch glaçon de Frimapic, et enfin, le badge phare de Rivamar. Ah, la belle musique, quand même. C'est parfait. Dresseur, tu as réussi à rassembler les 8 badges nécessaires de l'arène de Sinnoh. Prouve ta valeur et sois à la hauteur de la gloire à laquelle tu aspires. 3, 2, 1, wouhou! Allons-y. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil des 4, ravi de te rencontrer enfin. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ah bon, Pokémon de type insecte? Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce, toujours prêt à relever un défi? Je veux devenir parfait, comme mes Pokémon. Que le duel commence! Zoé! Premier combat! Du Conseil des 4! Ah 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 ah! Ok! Whisticrap! Ah ok, contre Montaemon, je suis dans la merde! Mais bon, avec un petit changement de Pokémon contre Mooney, ça devrait aller! Mooney, go! Déflagration, ce n'est pas grave! Ça va pas faire grand chose contre moi. Et bon, contre Mooney qui est un Pokémon qui est quand même un Pokémon très compliqué. Enfin bon, voilà, parfait. Surf! Je coule! Au revoir! Niveau 49, hein, quand même, c'est. Bien difficile comme niveau. Déflagration à nouveau. Ok. That's not grave. Oh! Compliqué quand même. Surf, voilà. Whisticram, c'est bon. Whisticram, c'est bon. Voilà. Premier combat terminé, donc, avec Mooney qui gagne 340 points d'expérience. Lilia, je connais pas ce Pokémon. On va pas changer. Même si j'ai l'impression que je vais regretter. Je le connais pas. Donc ça va être au pof. Au pif. Donc ça va quand même bien puissant. Rayon gemme. What the fuck. On va au revoir Mooney. Ok. Bon, niveau 53 quand même. Mais on va mettre. J'imagine que c'est un Pokémon plan. Bon, je mets bien. Coup de feu. Non, c'était pas un Pokémon plante. Donc c'est quoi comme Pokémon? Bon, il est brûlé quand même, c'était pas mal. Tant mieux. Rayon gemme. Oh! What? Ok! Ok. Sai! Avec un peu de chance, tu vas pouvoir finir. Mastoff. Oui, non. Ah. Et on gemme. S'il te plaît, dis-moi que ça termine pas. Dis-moi que ça termine pas. Dis-moi que... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Brûlure. Au revoir. Yes. Ok. Ça va, ça va, 1123 points d'expérience. Fogler. Donc c'est un Pokémon plan. C'est un Pokémon haut. Donc on va changer par... Montaemon. Montaemon, go! Contre Flogler. Niveau 50. Lance-soleil. Allez! Allez, allez, ça! Allez, allez, Monta! Allez, allez! Allez! Ouh! Vent glacé, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave. Ça ne doit pas te tuer normalement. J'espère. Ça ne tue pas. Parfait! Tu vas pouvoir quand même faire le lance-soleil juste après. Qui va faire très mal au Pokémon. Ça devrait pas te tuer, mais ça devrait quand même te bien t'épuiser. Voilà, ça fait la moitié. Ok. Utilise mon glace après. Putain! Merde! Excusez-moi, je suis juste un peu énervé parce que. Fais chier!
C'est pas grave, on se concentre. On sait qu'on peut réussir. Allez, Madoc, tonnerre! Et voilà, le tonnerre suffit. Et Amadoc va monter au niveau 49. Signal Braz. Ok. Je suis muni. Ok. On va faire avec. On va faire avec justement avec la troc. Ouais, tu défends ta défense, parfait. Bout de feu, c'est pas grave contre mon Pokémon on va dire électrique. Ça va être pas le plus non plus, hein, j'espère. Oh! Et quand même! Ouais. Tonnerre! Et mon tonnerre! C'est pas extrêmement efficace. Parfait! Signabras quand même est mort. Donc on a battu le premier combat du conseil des 4, parfait, n'est-ce pas? Non, on reste armado, donc on va... Il en reste encore un combattant, et on va attendre tout de suite. Continuons ce combat donc avec un Armaldo, donc Pokémon plutôt d'origine, on va dire, acier contre un Pokémon. Donc on va mettre... On va garder Armadoc, en espérant que ça suffise. Finalement Armado est un Pokémon plutôt de type plante. Donc un surchauffe, enfin acier plante. Donc normalement j'espère que ça suffira. Ça ne suffira pas. Ce n'est pas trop grave. Feinte. Et ça me tue. Voilà. C'était prévu. Il me reste plus que ça maille. Il est la seule représentante de cette équipe, puisque voilà, c'est pas encore fini, un membre du conseil des 4 ne l'abandonne jamais. Ok, piège de roc, c'était pas trop grave. Donc moi je peux utiliser après Vasdos. Ah, rate son attaque, putain. Rate pas ton attaque, s'il te plaît, anti-soin. Ok, je peux pas soigner. Ok. Vasdos à nouveau. Ah, guérison. Oh, putain, merde. Je suis pas en la merde. Tunnel. Ah putain, c'est un dragon en fait, putain. Oh putain. Bon, ouais. Tunnel. Dragon griffe, mais tu rates. Et moi, j'utilise tunnel. Tunnel. Allez, voilà, tunnel à nouveau. Creuse un trou, anti-soin, pense, ça va prendre fin. Il me fait une dracogriffe. Moi j'utilise tunnel. Et ça suffit pas. On va soigner, on va soigner, on va mettre soin gratuit. Mea. Car qui vaut mieux qu'un Pokémon dragon contre un Pokémon dragon? Dracogriffe, tu vas sûrement me tuer. Avec, je pense, pas de chance, voilà, c'est ce que je pensais. C'était prévu. Et normalement, Mea va pouvoir terminer le travail. Et monter au niveau 48 par la même. Ah! Oh putain! Oh putain, j'avais oublié le piège de roc. Bon, ma software qui est la seule. Ah. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, Rayon Signal devrait suffire. Ça suffit. Oh, ça va suffire. Oh, ça va suffire. Oh là là. Merci, Software. Tu m'as sauvé la vie. Ok. 2089 points d'expérience. On va dire fuck the rules. Parce que, bon, normalement, il n'est pas utilisable. Mais bon, j'utilise parce que là, j'avais pas le choix. Ok. C'était dur. C'était extrêmement dur. On a battu le premier combat. Les Pokémon de type insecte étaient les plus forts et les plus beaux du genre. Si nous avons perdu, ça peut être que de ma faute. J'ai compris la leçon, retour à la case d'entraînement. Tous avec moi. Bon, bref, ton prochain défi t'attend. Trois dresseurs, tous plus forts que moi. Donne le maximum. Mais avant de donner le maximum, on va se soigner.
Oh mon dieu. Je suis under level et je le vois. Vous inquiétez pas pour ceux qui disent t'es under level, c'est normal. Ouais. Sauf que moi, normalement, je veux que ce soit compétitif. Et qui est pas compétitif qu'un truc under level? Je changerai que si je ne trouve pas celui. Bon, on va soigner le Pokémon. Nos 5 Pokémon qui sont blessés. Avec des guérisons en voiture, voilà. Une guérison pour Mouni. Une guérison pour Samaï. Une guérison pour Mea. Une guérison pour Mondraymon. Et une guérison pour Ayamadoc. Et c'est bon, on peut y aller. Continuons. Wow. Un ascenseur. Une nouvelle porte. Oh. Et voilà, le deuxième combat de l'équipe des 4 contre Terry. Deuxième combat du conseil des 4. 5 Pokémon à nous. Avec un Ramboum pour commencer. C'est cool. Enfin, c'est pas le Pokémon qui me plaît le plus, mais. De toute façon. Sport. Sport, et après, je vais spammer du Dragonair. Quoique, t'es un Pokémon normalement qui devrait aller quand même. Je le vois profondément, c'est parfait. Et je lance un Ultra Laser dans la gueule. Voilà. Hop! Il se réveille, bien sûr. Gladus World. Un Grolosson. Anti-bruit, bloc Gladus World. Ah, c'est con ça! Il s'est chié pour la simple. Voilà. Bon, il se soigne quand même malgré tout. Ok. Lance-soleil. Lance-soleil, provoque. Vas-y, si tu veux, provoque, y'a pas de soucis. Ça ne dérange absolument pas. Et tu lances lance-soleil dans la gueule. Qui devrait te faire très mal. Pas très mal, entre guillemets. Voilà. Armure. Ok. Pas de soucis, ça ne dérange pas. Surtout quand t'as un ultra laser dans la gueule. J'ai jamais entre ultra laser et lance-soleil pour monter. En soin, c'est pas grave. Je devrais me recharger juste après. Mon démon doit se recharger. Utilise soin, putain. C'est un Pokémon troll. On va se mettre sur Mouni. L'espérance de suivre. Mouni, donc Rambou utilise armure, c'est pas trop grave. Bah si tu veux, ça me dérange pas. Mais tu vas te prendre ça dans la gueule. Ah, tu as arrêté de te faire armure s'il te plaît par contre. Bon, si bien armure à chaque fois, ça va être long mais. Provoque. Pas de soucis. Ça te dérange pas. Giclédo. Full puissance. Ah putain, mais arrête de te soigner. Merde. Giclédo. Oh putain, c'est beau. Arrête de te soigner! Arrête d'être troll! Mais tu arrêtes de...
Putain! Non, on est dans un pattern là, c'est pas possible! Non mais sérieux, troll! Fuck! Surf! Il utilise à nouveau soin, putain! Arrête! Cascade! Parfait, provoque. C'est bien. Voilà, surf. Ah putain! Normalement, Rambou, t'as pas ça de base. Pourquoi tu viens me faire chier? Provoque, vas-y, pas grave. On continue la provoque. Ça me dérange pas, donc tu me fais pas soin. Ça serait cool. Arrête le troll! Remboum le troll! Merde! Allez! Surf! Tu as arrêté de me troller, tu vas partir. Provoque. Ok. Je dis que les dos full puissance. Enfin! Putain de Rambaume! Fais chier! 675 points d'expérience. Ludicolo! Je sais plus ce que c'est comme Pokémon. T'as un Pokémon plante, ok. Donc ça ne sert à rien en fait ce que je viens de faire. Ok, force. Point d'art. Ouais, point d'art là ça va être mort. C'est du point KO. Voilà. Vu le niveau, il y a 10 niveaux de différence quand même. Donc under level, hein, évidemment. Bon. Mais là, tu vas me brûler ça tout gentiment avec un bout de feu. Normalement, tu devrais mourir là, avec ta ton attaque. Danse folle. Oh putain. Mais à confus. Ok. Mais à confus, s'il te plaît, ne te blesse pas. Voilà. Bout de feu. À nouveau. Hydroblast. Putain! Oh putain! Bon bah, au revoir, Méa. Bon, I am a doc, tu vas le venger. I am a doc, tenez. Au revoir, Ludicolo. Voilà, 2133 points d'expérience. Absol. On change pas de Pokémon. On garde Absol. Absol utilise pression. Surchauffe. Normalement, surchauffe devrait pas te tuer, mais devrait moins te faire la moitié, c'est ce que je pensais. Parfait. Pince-masse, ce n'est pas trop grave. Pas trop grave quand même. What? What the? Avec 4 niveaux de différence! C'est quoi ce bug? Mandiamon. C'est fort. Encore toi. Et après tu coûtes l'ultra laser. Après l'ennemi s'endort, tu dors. Fais, tu dors, tu dors. Et tu prends l'ultra laser dans la gueule. Ah putain. Ça rate. Ah. Fuck. Voilà, ultra laser. Ça te tue pas, mais ça c'est de dormir toujours. C'est parfait.
Ah, guérison. Oh putain de merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je suis concentré, j'aime concentrer, représailles. Putain, représailles, ça fait mal. Surtout sur mon monde Zaemon. Ça fait trop mal, ça fait un bois de chaos. C'est magnifique. Yeah, 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 yeah. Tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer, tu vas te faire tuer, tu vas mettre Méa en rappel max, comme ça il va pouvoir faire des bouts de feu à mort. Il va faire une pince masse qui devrait me tuer, normalement, ça devrait me tuer, ça devrait me tuer, ça devrait me tuer. Ça me tue pas, c'est parfait, je vais pouvoir mettre un nouveau rappel sur... I am a doc. On se concentre, on y arrive, il me fait mal pas ça. Il va faire mourir sa maille, mais c'est pour la bonne cause. Et on remplace par Méatillé tout frais. Et on met un putain de surchauffe, une putain de surchauffe, une putain de surchauffe. Une putain de surchauffe. Oh. Et on attaque et l'attaque PLBS. Mais une pince à ça devrait faire mal, 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 mal. Pas trop mal. Putain, il reste plus que 6 points de vie. Je vais faire bout de feu, mais ça va tuer mon méa. C'est pas grave tant que je tue cet absol, cet absol. Ça fait 3 Pokémon. Ils sont battus tu. Et I am a doc va le remplacer, yeah, yeah. Et on va avoir un Mélodelf qui va être facilement battu par le tonnerre, 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 tonnerre. Charge n'est pas trop grave, c'est peut-être pas trop grave. Ça fait un putain de wet KO, c'est pas normal. C'est putain pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal mal. Il me reste plus que sauf frère maintenant. On va avoir une chance, non? Faut aller la seule. Ce qu'on va faire, c'est quand même soigner avant. On va soigner Pokémon, on va soigner à prendre un rappel. Pour soigner I am a doc. Le Madoc est plus KO, il utilise barrage. C'est pas trop grave. On peut attaquer, on peut échapper. Ok. On va soigner aussi. On va aller. Tout ça est bon. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on va aller à Rayon Signal. En espérant qu'ils utilisent. Ça n'a pas l'air de suffire. Ultra laser. Bon, ok. Ultra laser de part d'un Mélodelf. Enfin, je peux comprendre, c'est une attaque normale et que tout le monde. Une bonne partie des Pokémon peut la prendre, mais c'est un peu surprenant. Allez, au doc. Surchauffe. Voilà. Surchauffe, tu mets au delf. Ça c'est fait. 1437 points de présence. Allez, au doc, monte au niveau 50. Et un modoc qu'on va prendre d'éclair. Par contre, capacité, on va prendre une capacité pour éclair. Éclair qui est très puissant. Mais qui est pas tellement puissante. Mais qui est moins puissante que tonnerre. Donc on va ne pas la prendre. Abandonner éclair. Il nous manque plus que Gibrali. Bon, ça devrait aller quand même, Gibrali. Une surchauffe en croire. Normalement. C'est ça, hein, normalement. Une surchauffe, ça devrait aller pour Gibrali. Non, ça ne suffit pas. Ok, bon, on va se concentrer. Bizarre. Je suis à moitié de vie, donc j'ai peur que ça me soit one shot. Oh putain. J'aurais dû réfléchir. Ok. Bon. J'ai perdu mon premier essai. à la vie Pokémon. Dommage.
Mais bon, on continuera. De toute façon, ce sera un épisode très long. Hein. Ça durera peut-être une heure. Le temps que je puisse faire à nouveau la Ligue Pokémon. J'ai hésité à faire du entraînement off. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Dites-moi, parce que je suis pas sûr. Enfin, entre guillemets, je veux savoir, mais bon. On va quand même remettre des guérisons, plein de rappels. Des rappels. On va en mettre 20. Il me reste plus d'argent du tout. Ok, bon. On revient dans quelques secondes. Je pense que je vais faire de l'entraînement off. Et on se trouve bientôt pour la suite. Donc pour la suite de cette Ligue Pokémon. A tout de suite. Voici, puisque comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai accéléré, je pense 3, 4 fois, voire 5 fois, 6 fois, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas beaucoup de fois, j'ai raté ma première chance au conseil des 4, et je me suis dit, bon, j'ai raté, ok, c'est indéniable, mais j'ai personne pour m'aider, enfin, personne, à part une personne, et je te laisse te présenter. Bah, merci déjà à toi de m'avoir invité, et salut tout le monde, c'est Mentalis, et on se retrouve pour l'épisode... Bah final ou avant final, parce qu'à mon avis tu auras quand même des choses à faire après. C'est final de la série principale. Ouais, bon après c'est vrai qu'après il reste que les 4 annexes des idées. Enfin, des et idées, de l'univers de combat, etc. etc. D'ailleurs, ouais. Je le ferai sûrement en vidéo, mais ce sera des vidéos beaucoup plus espacées au niveau du temps. Oui, bah, surtout qu'il n'y a rien d'intéressant en fait, t'as juste un néatran. Enfin, oh, magnifique. Voilà. Quoi. Voilà. Donc, une fois ceci, nous pouvons commencer notre premier combat. Du conseil des 4. Ah, stop, donc, je devrais peut-être d'abord leur montrer la team parce qu'il y a une légère modification. Montre-leur aussi les attaques pour leur montrer que l'optique est devenu un monstre. Donc tous les Pokémon sont niveau 50 avec des nouvelles attaques que Mentalis m'a aidé à trouver, notamment par exemple le Sobble et Crofatal pour. Voilà, Crofatal et Saumur. Je peux expliquer le combo? Vas-y, vas-y. Crofatal divise les PV par 2, Saumur inflige des dégâts à partir du moment où les Pokémon adverses arrivent à la moitié de tes PV. Enfin, doubler les dommages. C'est-à-dire qu'en fait, Crofatal Saumur, c'est du KO en deux tours. Du KO en deux tours, et c'est très utile, surtout un Love Disc qui est pas très puissant, je crois. C'est exactement... Oui, le Love Disc qui n'a... Pff, regarde ses stats, c'est de quoi rigoler. Donc, Monza, on lui a pris Fuelian. Attends, hop. On lui a pris Fuelian, effectivement. Parce que, justement, alors, on a oublié toutes les CS au Pokémon, déjà, pour commencer. Et en fait, si on regarde les stats de Philali, on se rend compte qu'il a plus d'attaque que d'attaque spéciale. Donc, on a décidé de lui filer une attaque... plante mais qui était direct histoire qu'il fasse plus de dégâts. D'accord, je vois très bien. Ensuite, dis pas je vois très bien, on a fait ça ensemble, l'espèce d'andouille. Bon, oh, ça c'est ça, va. Ça c'est software est mort 13 fois pendant qu'on essayait de la faire XP. 13 fois, je ne plaisante pas, j'ai compté sur Twitter. 13 fois, oui, et c'était très difficile parce qu'on n'a pas eu de chance. On a vraiment pas eu de chance en tout cas avec software parce que à chaque fois on essayait de leur. De le grédit, on n'y arrivait même pas, quoi. On n'y arrivait absolument pas. Ah ouais, non, mais software se faisait one-shoter partout. On n'a pas modifié ses attaques, et par contre, moi j'ai un écran blanc. T'as un écran blanc, c'est normal? Je ne pense pas. Ah, c'est normal. Normalement, t'as dû recevoir le truc. Ah, c'est bon, c'est de retour, mon dieu, incroyable. Ok, bah. c'est incroyable. Et donc, Samaï. On lui a appris bâillement, qu'elle a appris naturellement, et surpuissance ainsi que marteau bois. On a décidé en fait d'en faire un finisher. Non, un tank encaisse ses attaques. Et là j'ai de nouveau mon écran blanc. Ah c'est bon. Donc voilà. Et en fait on a décidé d'en faire un tank. C'est-à-dire que toutes ses attaques sont non seulement physiques, mais en plus bah forcément sa maille de base a beaucoup de PV et de défense. Voilà. D'accord. Donc marteau bois c'est plus ou moins comme bout de feu mais version plante. D'accord. Mia. Mea on l'a tripoté, Mea non je pense pas qu'on ait tripoté. On a remplacé Antibrume par Rapace. Voilà Rapace donc voilà. C'est un équivalent bout de feu mais version vol. Version vol, donc faudra faire très attention avec ces Pokémon par contre parce qu'on peut très vite les mettre, enfin se les auto-jouter. Ouais donc faudra qu'on fasse attention à ça. Et il reste encore un Pokémon.
Et à Madoc, bon voilà. Qui n'a que 3 attaques. Alors qui n'a que 3 attaques, simplement parce qu'on a décidé de supprimer une attaque, mais si tu veux lui apprendre coupe, tu peux, mais bon, voilà, YOLO. Alors moi d'abord, je vous dis que le délire de l'attaque, en fait, c'est si le Pokémon est plus rapide, enfin donc si Ayamadoc est plus rapide que le Pokémon qui est en face, Ayamadoc va piquer l'attaque de l'adversaire et la lancer avant lui, avec un boost de dégâts de 1,5. Donc dans la mesure où Ayamadoc est très rapide, logiquement ça devrait passer dans tous les cas, et donc bah forcément ça devrait être très dévastateur. Voilà, voilà. Donc on a fait à peu près le tour, et je te remercie, parce que c'est vrai qu'on a pris combien de temps, 3 heures peut-être Entre le leveling et la recherche des CT, etc. Ouais, à peu près 3 heures. À peu près 3 heures, hein. 3 heures de discussion cette journée, hein, on parle. En sachant quand même qu'on a plus ou moins triché en accélérant le temps du jeu. Ouais, effectivement d'ailleurs, effectivement. C'est-à-dire que normalement ça aurait dû prendre 6 heures, c'est ça? Peut-être. Quand on a écrit sur le jeu. Sûr, possiblement, c'est à peu près ça. Hein, au niveau du temps, c'est à peu près ça. Donc on y va? Bah oui, bah on y va, moi c'est moi qui t'attends. Tu fais le premier dresseur? Ah non, j'ai pas envie de faire des voix, moi je suis trop vieux. Allez pour ça. Non, s'il te plaît. J'ai beaucoup de voix à faire dans mon LP, donc... Ah, pourtant on l'a fait sur Emerald. Ah ouais, mais c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, on en fait un chacun. Bon, bon, ok, alors, commence. Tu commences? Je commence ou tu commences? Je commence, attends, honneur aux invités. Oh, pas de respect. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4. Ravi de te rencontrer, enfin. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Et magnifiques, très bien. Tu sais pourquoi je suis dans cette pièce, toujours prêt à relever un défi? Je veux devenir parfait comme mes Pokémon. Que le duel commence. Et allons-y. Let's go. Et donc nous remarquons que Aaron s'appelle maintenant Zoé. Vive la randomisation. La randomisation des noms, hein, c'est un truc que je... Et c'est pas Conseil 4, Aaron, c'est Lady Zoé. Voilà, bon, exactement. Voilà. Allez, Whisky Crab, je présume on va mettre sur Surf et puis ça serait bon normalement. Voilà. Ça devrait le one-shotter ou au moins bien l'épuiser. Tu pourrais utiliser Giclédo tant que tu as tous tes PV, parce que Giclédo afflige des dégâts en fonction de ta vie restante. Plus tu as de PV restant, plus tu fais mal. Il me fait déflagration. Ouais, pourquoi pas. Ce n'est pas trop grave. Quoique l'autre disque est un mauvais. Une mauvaise défense. De toute façon, alors je suis désolé pour ceux qui adorent l'off disque. Je dis pas qu'il est pas mignon. Ça c'est mais sûr. Il est inutile. Enfin, tu l'as dit. Tu l'as dit, hein. Je suis désolé, tu l'as dit pour les 3 heures de farm. Hein. Oui, non, mais franchement, l'off disque il est complètement useless. Il est à côté de la plaque. Il a battu Whisty Crampan. Wow, génial, il a réussi à Pokémon à... Il a réussi à battre un Pokémon qui a à peine évolué, quoi. Lilia, plante, roche, je t'invite à envoyer plante, roche et une attaque glace. Tu n'as personne avec une attaque glace, donc tu vas envoyer... Mais... Non, il est roche, t'es fou. Samaï. Ah, tu es parce que c'est vrai que pour la stratégie, j'ai eu trop de mal, quoi. Quand j'ai commencé les combats, Donc ils sont pas des mauvais Pokémon, quoi. Ah oui, non, mais... Espico en finale de Pokémon Ebron, c'est ça? Oh, ça va. T'as Espico, quoi. Surpuissance, tu vas le one-shot, j'espère. Ah ouais. Quoique, c'est un Pokémon type proche. Non, tu vas pas le one-shot, mais tu vas juste lui apprendre la douleur. Niveau 53, quand même. Hein. Bah, et alors? Ah, ça ne one-shot pas, mais c'est très très juste. Hein. Ah bah, je t'ai dit que tu allais lui apprendre la douleur. Et peut-être qu'il va me faire... peut-être qu'il va faire... Non, il va pas faire Rayon Gem. Ouh, qui est très dangereux contre moi, par contre, ça. Non, absolument pas. C'est pas une attaque roche. Ouais, parce que... Si c'est une attaque roche, et t'es un Pokémon seul. T'as les dégâts divisés par deux. Fais-lui. Un nouveau surpuissance. Bah, ça va t'obliger à switcher, c'est dommage. C'est pas trop parce grave. Que je te rappelle que surpuissance te baisse ton attaque. Ce qui fait que là, s'il doit lancer un truc que seul Samaï pouvait battre, bah, faut faire un double switch. Et c'est très dangereux. Fogler, bon, ça va être simple. Fogler, bah oui, bah c'est très simple. Monzaemon, hop. Nope, Voltali. Monzaemon. Fogler a des attaques de type glace. Tu es un psychopathe. C'est un psychopathe run, mais bon, voilà. Hein. Bon, Fouillian. Fouillian. Ouais, que tu te bloques pas pendant deux tours s'il tape très fort.
Et c'est là où il te sort glaciation, ce serait énorme. Vent glace. En voyant s'il va te faire très mal ou si je veux juste te chatouiller méchamment. Et tu switch. De switch. Oui, forcément. Là tu vas avoir du mal à tenir. Bah tu tiendras pas une deuxième et tu mettras pas KO au prochain tour, donc il vaut mieux que tu switch. À la place, je te conseille de mettre. Et à Modok. Ce que tu m'avais dit. Oui, sauf que là maintenant c'est trop tard, tu vas te prendre une attaque et il a pas beaucoup de défense. Bon ça va, t'as du bol, il fait vent glace. En espérant qu'il baisse pas ta vitesse par contre. Parce que vent glace a la méchante particularité de baisser la vitesse, donc ça c'est super chiant. Critique forcément et baisser la vitesse, bon c'est pas grave. Ce que je conseille de faire comme attaque, c'est tonnerre forcément. Ouais, tonnerre, normal. La base. Alors, voyons, vas-tu le terminer? Logiquement tu le finis. Vu que t'as une attaque assez élevée, voilà. Foucault est un très bon Pokémon, hein, mis à part ça. Ouais, 685 points d'expérience pour les deux. Et Signabraz, le même. Oh. Tiens, alors là, je t'invite à envoyer Drac au feu. Contre Signabraz? Envoie Drac au feu, et tu lui feras l'attaque Rapace. D'accord, ça me surprend parce que normalement, Dragmea est aussi un Pokémon de feu. Faudra m'expliquer pourquoi. Mais bon. Alors, c'est simple, Signabraz est un Pokémon type feu, certes, mais avant tout un Pokémon de type combat. Yes. Et tu as de type vol. Et ben forcément il va se prendre une attaque surpuissante x2. Comment dire, c'est un petit peu comme si toi on te foutait une barre de fer dans le cul. Ça fait très mal. Est-ce que ça va faire one shot? Je suis pas sûr. Bien sûr que si. Une attaque de puissance 120 x2. Je suis désolé mais ça fait super mal. Non. Non. Il a survécu. Alors ce que je t'invite à faire, c'est vol. La switcher. Vol, switcher. Avec un peu de chance. Switcher. Et trop tard, j'ai fait vol. D'accord, bah tu vas perdre Mea, tant pis. Ah non, bah non, il est plus rapide que toi, t'as du bol. Ok, donc vol. Alors. Ah, ça suffit pas. Ouais, bah refais vol. Voilà à nouveau. Oh, en priant pour que tu tiennes la... Ça va tenir un moment avec canicule quand même. Canicule, ouais, c'est moins puissant. Il me semble que putain. Ok, bon c'est pas grave. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est envoyer un Pokémon rapide, donc par exemple Voltali, et faire l'attaque moi d'abord. Ou software. Ouais, Voltali. Voltali. Software. Tu parles de cette de ce sous-caca qui est mort très soit pendant essayer de le faire XP. Ah mais il fonctionne bien, il est très rapide. C'est un truc qui est important. Moi d'abord. Voilà. Donc en fait tu vas lui rebalancer la même attaque que ce qu'il allait te faire, mais fois 1,5 en fait. Donc même si t'as pas le stab, en fait t'as le stab. D'accord, donc. C'est le cas où quand même, c'est le cas où Wiz. Bon y'a pas le eu trop de grand ralentissement, ça fait plaisir pour une fois. Bah c'est vrai, mais en même temps on est en combat. Armaldo, alors face à Armaldo c'est un Pokémon roche insecte, je t'invite à envoyer Mooney. Ah bon? Et utiliser le combo Croc Fatal Saumur. Ah oui, le Croc Fatal Saumur bien sûr. Parce que bon voilà, c'est YOLO hein. YOLO Strat. YOLO Strat. Bon, Armaldo quand même, on a qu'un seul Pokémon de tuer pour l'instant, c'est bien. Tu te tapes une très bonne team, hein, quand même. Enfin, en face, je veux dire, parce que toi, ouais, bon, mais voilà. YOLO. C'est surprenant, quoi, je pensais que ça fait la moitié, là, normalement. Dracon Griffe. YOLO, et moi, j'ai eu un... Ouh, YOLO, ouh, YOLO, ouh, YOLO. T'es toujours en vie? Moi, j'ai eu un freeze. J'ai toujours en vie, et normalement... Bah, sous mur. Ah putain, c'est pas suffisant. Ah putain. Ah. Bon bah Mooney, au revoir. Envoie Voltali pour le finish. Voltali, tonnerre. Avec moi d'abord? Non, non, tonnerre. Tonnerre tout court? Oui, tonnerre tout court. Par contre, moi je n'ai plus d'image. Moi ça te fuse à Draco... Armaldo ennemi utilise Draco Gris. J'aime pas le FK. On va revenir dans quelques secondes. Et nous sommes de retour. Bon, après quelques problèmes techniques comme d'habitude. Exactement. Parce que donc, première fois que je fais un duel commentary comme ça. Hein. En mode YOLO Strat, comme on appelle. On appelle qu'est-ce qui s'était passé avant. Ouais, tonnerre donc. Ah oui, vas-y, tu peux expliquer, vas-y. Oh non, moi je te laisse expliquer, moi j'ai la flemme. Moi je suis concentré. En gros, on a essayé plusieurs méthodes pour essayer de faire le duel commentary. On a essayé la méthode qu'on fait maintenant. On a essayé la méthode du micro.
Enfin, la méthode de la caméra, la méthode de caméra de PC, d'autres PC. Ouais, en fait, on a tenté d'utiliser un deuxième PC parce que, bon, comme vous l'avez sans doute remarqué, sauf si vous êtes un peu sourd, auquel cas je me demande comment vous faites pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Vous m'entendez avec une voix magnifique, une voix cathédralisée, pardon. Mais qui sera un peu réglée au montage, je vais faire le maximum pour que ce soit pas le cas. Ouais. Mais bon, quand on te connaît, on sait que ça va être une catastrophe, que ça va être pire. Oh, donc voilà, donc... arrête, c'est vrai que tu débrouilles bien quand même. C'est vrai, tu te débrouilles pas trop mal. Voilà. Donc premier, on a battu un premier, wouhou. Voilà, alors, aussi, chose que Mister TGF vous a sans doute pas montré, on a aussi refait le plein d'hyper potions et de total soin, ainsi que de rappel. Parce que n'oubliez pas, si vous faites la ligue, les guérisons, on s'en fout. Vous en prenez 10 maximum dans votre inventaire, ça suffira largement pour tout faire la première fois. D'accord. Vas-y, je te laisse parler. Mes Pokémon de type insecte étaient les plus forts et les plus beaux du monde. Non, du genre. Bon, c'est la même chose. Si nous avons perdu, ça ne peut être que de ma faute. Normal, je suis une merde, mon gars. J'ai compris la leçon. Retour à la case entraînement. Tous avec moi. Case entraînement, j'espère pour lui qu'il aura pas entraîné un Lumivol, sinon le pauvre, il est mal. Bon, bref, ton prochain défi t'attend. Trois dresseurs, tous plus forts que moi. Donne le maximum. Bon, en même temps, plus fort que toi, mon gars, c'était pas compliqué, hein. Effectivement. Nous allons donner tu devrais peut-être te soigner tes Pokémon avant de continuer, parce que... On va soigner les Pokémon, effectivement, t'as raison. Bah, évidemment que j'ai raison. Évidemment que t'as raison. Donc, on revient et on soigne nos Pokémon. Et nous voici donc, on a soigné tous nos Pokémon. Les Pokémon sont toujours à un niveau, enfin, ils sont toujours à niveau 50, hein, ils ont pas augmenté de niveau. Bah, en même temps, comment tu veux qu'on les fasse augmenter, espèce d'andouille, y'a pas de Pokémon sauvage dans le coin. Mais bon, alors, ils augmentent pas quand même par leur truc, quand même, j'ai envie de dire. Ce que je te conseille de faire, c'est mettre Samaï en première, pour tanker le premier Pokémon en face qu'on va voir. Je sais pas ce qu'on va voir. Moi, je me rappelle plus, là. En fait, moi, je me rappelle du premier, parce que le premier, je me rappelle. Et c'est au deuxième que j'avais perdu, justement, si vous avez vu l'épisode auparavant. Bah, en même temps, ils sont vus, parce que s'ils sont là, voilà, quoi, yolo. Oh, c'est une voix de nana, ben, j'ai bien fait de faire la voix précédente, moi, c'est quoi. Allez, bonne chance. Mais regardez-moi ça. Quel dresseur adorable, mais qui a également l'air redoutable. Je suis Thierry. Mon domaine, c'est les Pokémon de type sol. Sans blague. Comme si ta arène ne disait pas que t'étais un Pokémon sol. Et si tu montrais à une vieille dame de ce que la vieille garde est capable? Cougar. J'ai fait une voix à old bag. À la vieille chouette. Bon, allez, c'est pas... J'espère que ça vous aura plu. Lady Christine, ok. Encore une lady, décidément. Ramboum, bon, alors on a bien fait d'envoyer Samaï parce que ainsi tu vas pouvoir faire surpuissance. Et justement, c'est un des Pokémon où j'avais trop de mal parce que c'était un troll. Attends, c'est un gros troll en puissance, ce Pokémon. Je rêve qu'il vient de nous faire armure là. Oui. Ok. Bon, au moins c'est plus un problème, c'est déjà ça. C'est déjà ça, effectivement. Au revoir, Ramboum. Voilà, parfait. J'aime bien la défense du Samaï, ça me va, diminue. Ok, du Samaï. Givrani va être envoyé. Bah, alors là. Méa, tout simplement. Non. Bah, si, Pokémon glace pur. Ouais, bah justement, tu pourrais aussi laisser Samaï en fait. Mais je sais pas, ouais, non, il est peut-être un peu rapide. Ok, vas-y, envoie Méa. Envoie Méa, ouais. Et tu vas lui faire quoi comme attaque? Surchauffe. Ouf, alors toi, tu calques les surchauffes comme ça. Bah niveau 52. Bout de feu, d'accord. Bah en fait tu surchauffes, t'exploses ton attaque SP, donc vaut mieux que tu le fasses en finish en fait. Et je suis pas sûr que une attaque surchauffe one shot Givrali. Ouais, mais ça ne bout de feu ne one shot pas Givrali non plus. Je sais, mais au moins ça évite que tu balances dans le vide. Barrage. Ouais bon là tu fais surchauffe, ça va pas lâcher puisqu'elle va utiliser une guérison. Mais au moins voilà, YOLO. YOLO Strat. YOLO Strat, et on l'achèvera avec vous. Je pense qu'on l'appellera comme ça cet épisode. YOLO Strat. YOLO Strat. Ah mon dieu. Ah non, parce qu'il y a eu plein de YOLO Strat quand même pour cet épisode. Ouais bah attends, mais tu m'étonnes déjà ultra combo de la mort, gros fatal sur le mur, je suis désolé mais non. Oh non, je suis désolé, là je vais prendre ma retraite je crois, ça y est c'est fini, hein. Plus jamais de Pokémon. Attends, comment on dit, je suis trop vieux pour ces conneries. Ludicolo, tu peux rester, tu pourras le spammer de vol. Si je suis trop vieux pour ces conneries, c'est l'âme fatale.
Ouais, aussi. Rapace ou vol? Crois-moi, vol. Vol, d'accord. Parce que rapace aussi aurait été utile. Oh, oui, ça je dis pas, mais Ludicolo est juste le Pokémon le plus chiant du monde. Ah, mais toi, t'es niveau 55, quoi. Oh, ça va, franchement, le level, ça veut dire. Regarde Mooney, t'as vu son level? T'as vu ses stats? Ouais, c'est pas faux. Bon, ça fait quand même la moitié. Vol. Danse folle. Ouais. Là, ça va mettre confus. Ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un total soin. Perdre un tour. Oui, perdre un tour. Mais qui te permettra de taper au moins. À 100% de chance. Sauf si je spamme danse folle. Ouais, mais moi, il va me le refaire. Il va me le refaire, ah. La danse folie. Hein. Mais il veut pas te la refaire, il vient de te rendre confus. Putain, mais il est con. Ok. Bon. Alors, on y va, hein. On y va YOLO, hein. Bon alors vas-y en mode rapace alors. Mais en mode vol. En mode vol. Non pas vol justement, mais t'as deux fois plus de chances de t'infliger des dégâts. Ah oui putain, je suis con. Bah oui. Aéropiqué. Ok. Switch. Switch. Sur. Samaï. Software. Ah bon. Pour je crois que ça va être le seul Pokémon sur lequel software va être utile, mais c'est pas grave. Et aéropiqué. Oh, c'est pas grave. Ça va mal. Software n'est pas si pourri. Software devrait survivre à un pauvre aéropiqué. Voilà. Ouais. Bah quand même, je sais pas si tu te rappelles, on a eu 14 fois, 13 fois. C'est le truc oui, le rock boulé là. Je sais pas comment ça s'appelle comme attaque à la con. Bull Rock. Ouais, Bull Rock. On a battu quand même Ludicolo. Bah oui, non mais voilà, mais il se prenait un super efficace ce truc parce que Software, je voulais pas l'envoyer. Voilà. 6, Melodelf. Ah, voilà. Le Pokémon. Alors, là... Le Pokémon sur lequel je suis tombé. Alors là, tu vas m'envoyer, s'il te plaît, Donphan, Samaï. Samaï. Pour moi, qui a surpuissance. Non, surpu. Surpuissance. Surpuissance. Ok, pourquoi? Attendez, je crois qu'on a perdu. Qu'on a perdu Monsieur Mentalis. Ok. Bah attends, le. Et donc, on a Mentalis qui s'est perdu dans les méandres de Free. Yes, <free. rire> bon, on va y arriver. Oui, bah j'espère bien. Ah mon dieu, quoi. Ah mon dieu, cet épisode sera épique. Surpuissance, tu m'as dit donc. Surpuissance, voilà. Donc en fait, Melodelf a énormément de PV, mais il a quasiment pas de défense. Melodelf avec Giga Sensu, cette blague est énorme. Sauf que ça me fait mal. Ça fait très mal. Si tu one-shot pas Melodelf, tu switch sur mes meilleurs. Alors voyons ça. Tu le one shot, j'espère sincèrement que oui. Et merde, non. Bon d'accord, bah c'est pas grave. Bah merde. Parce que là si tu restes tu vas mourir, donc ce serait un petit peu dommage. Mais Mea déjà est pas bien au niveau vie, non? Oui mais t'inquiète pas, là il va faire Giga Sensus, ce qui va te permettre de l'achever avec surchauffe. En priant pour qu'elle n'utilise pas une guérison, ce qui me ferait chier. Putain qu'elle se faire foutre. bon bah alors ce que je te conseille de faire c'est quand même surchauffe. D'accord. Voilà, et si elle survit, bah bout de feu. Ouais mais ça va être mort je crois. Pas pour... Ah, on va survivre, ouais. Ouais mais maintenant bout de feu. Barrage. Ouais bah bout de feu, allez c'est bon, elle m'énerve. Même si ça me fait un KO. Oh tu t'en fous, cette saloperie mérite la mort. Mais c'est bien Melodelf. C'est bien comme Pokémon. C'est un Pokémon lunatique, un Pokémon fée. Oui parce qu'elle fait partie du nouveau type. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du nouveau type là, le nouveau type fée? Nous avons encore perdu Mentalis. C'est pas de chance. Attendez, je reviens. 30 secondes. A tout de suite. Merde, Absol. Elle va envoyer Absol là actuellement. Il faut que t'envoies Samaï. On va envoyer Samaï donc. Ouais. Même si elle est pas au niveau. Enfin, même si elle a pas beaucoup de vie. Même si elle a pas beaucoup de vie. Quoique. Attends, t'as, tu m'as dit ça, Mike. Ouais, même si elle peut beaucoup dire. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est claquer une hyper potion en début, là. Enfin, juste pour. Comme ça nous permet de voir qu'elle attaque à Absol. Tu veux vraiment que je fasse soigner? Ouais. Mais tu sais, t'as le droit de te soigner en plein combat, hein. Personne ne va s'offusquer parce que tu soignes les gens, hein. Enfin, tes Pokémon. Bah, attends, c'est que là, c'est pas là. Non, mais là, t'es dans soin statut, espèce d'andouille. Ça se voit, le type qui a vraiment l'habitude de soigner ses Pokémon, hein. T'es vraiment monstrueux, en fait. Mais non. Hyper potion. Allons-y.
Ça, je savais que tu détestais Pokémon en réalité. Mais non, vous voyez, il les traite pas avec amour. J'aime bien, mais c'est juste que j'ai plus de difficultés que toi en fait. Moi je joue ça pour le plaisir, c'est-à-dire que moi je joue pour faire plaisir. Ok, Plasmas. Donc tu peux lui faire sur puissance et après tu switches de suite après. De suite après. Pourquoi? Ouais, parce qu'elle a Plasmas. Tu vas prendre juste déjà super cher. Oh c'est bon. Oh oui. Magnifique, saisie. Alors logiquement, elle devrait se prendre une baisse de stats. Oh, dites-moi qu'on la fout pas KO, je veux juste voir ça. Merde, on l'a foutu KO, trop puissant. En fait, trop normalement, puissant, elle aurait... En fait, le truc, c'est que puisqu'elle a fait saisie, en fait, elle allait se prendre les changements de stats à la place de sa maille. C'est-à-dire que c'est elle qui allait avoir l'attaque et la défense en moins. Eh bien, mon chou, je crois dire que tu es impressionné, mais Pokémon croyant en toi et font de leur mieux pour remporter la victoire. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher de sourire maintenant. Bah c'est normal, c'est parce que t'es gâteuse. Again. Tu es vraiment redoutable, jeune dresseur. J'admire le lien très fort qui t'unit à tes Pokémon. C'est ce qui fait ta force et te mènera vers la victoire, vers le sommet. C'est pas grave. Je suis sûr que tu y seras en un rien de temps au sommet. C'est tout. On sait qu'il va dire non, il y a encore deux dresseurs à côté de toi. Non, même pas. Ok, on soigne tout de suite nos Pokémon, tiens, on va profiter. Ah bah oui, c'est le moment de soigner les Pokémon. Oh, soigner nos Pokémon. Et bon, on n'a pas une mort. Utilise pas de guérison, hein, d'accord. Bah évidemment, je suis là. Ah oui, mais bon, heureusement que t'es là pour la stat, parce que sinon, je pense que j'aurais. Avant qu'il y en ait qui disent que je pète plus haut que mon cul, je plaisante, hein, clairement. Tu connais beaucoup mieux que moi au niveau de la stratégie. Moi, comme j'ai dit, je joue Pokémon pour me faire plaisir. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas pour savoir quelle attaque est la meilleure contre qui. C'est juste pour savoir, pour tuer Tatané, quoi. Pour Tatané. Bonjour, Satan. C'est ça, moi, clairement. Donc, certains, ils disent, justement, certains, ils aiment pas. Enfin, ils aiment bien, des fois, que je sois, que je connaisse pas trop des trucs. Par exemple, je sais plus sur quel Pokémon on m'avait gueulé parce que c'était un Pokémon plante. Libégon, bordel, c'est un Pokémon de type dragon sol. Ah, tu es gentil, moi je savais pas. Hein. Il était vert, moi je me suis dit que c'est de la plante. Mon dieu, laisse ça maille en première. Attends, stop, tu devrais utiliser une huile s'il te plaît. Une huile sur sa puissance parce que c'est juste une attaque tellement utile. Une huile, est-ce que j'en ai? Mais forcément tout en haut. En principe, c'est les. Même une max, tu vois. Juste une huile normale. Huile normale suffit amplement. Normalement ça rend 10 pp et il n'y a besoin que de 5 pour surpuissance, donc voilà. Ouais. Et c'est bon? Bah oui, bah c'est bon, YOLO! YOLO! Bah je te laisse parler. Yopolo. Attends, alors lui, comment il est? Lui c'est un tempérament enflammé, ok. Hey dresseur! Je compte les jours depuis que j'ai su que tu allais venir. Ah parce que tu savais que j'allais venir? Forcément, tu l'as croisé sur la dernière ville. Effectivement. Le récit de tes exploits contre Tanguy est arrivé jusqu'ici. Ah bon? Parce que j'ai le moins ici. Oh non, déjà ce qui est rigolo c'est de tes exploits. Toi. Ça va. Je viens de voir l'épisode, tu sais quoi. Réussir à raviver la flamme de ce vieux Tanguy. Plutôt bien joué. Tu imagines à quel point j'étais impatient de t'affronter. Oh, il bouge. On se demande ce qu'il fait là. Oh, c'est dégueulasse. Prépare-toi à affronter les Pokémon de type feu ou pas. Montre-moi si la flamme du combat brûle en toi. Et allons-y. Troisième combat contre Archie, ouais. Ou Pi. Pi, oui, bien sûr. Et Lady Pi. Ce qui est beaucoup plus drôle d'un coup. Spoink. Sérieux? Sérieusement? J'ai vraiment pas de chance. Pardon, excuse-moi. Spoink, alors là, tu es déjà bâillement. T'as eu un problème là? Non. Parce que je t'ai vu plus parler, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, excuse-moi, je suis en train de. Voilà, YOLO. Donc, YOLO Strat, épisode YOLO Strat, hein, je vous rappelle. Bâillement, ok. Contre Spoink. Spoink, quand même, ça sert pas à grand-chose. Hein. Psycho de boule, ouh! Ouf, énorme blague. Il a détruit quand même. Oh mon dieu, une petite chose va foncer, tu es magie chatouillée. Ah okay. Attends, s'il va continuer à faire la brouille, ça, voilà, il m'a. Ah c'est bon, il dit vainement. Ok. Alors maintenant tu lui fais tunnel.
Pour qu'il se la prenne au moment où il s'endort, c'est ça? Bah ouais, enfin y a pas que ça en fait, je préfère endormir les Pokémon avant de commencer à les taper en fait, quand on les tape sans quand on est sûr de pas les one-shotter. Puis bon, ils représentent tellement pas une menace au final ces Pokémon que... Ah il dort. Oui non mais sans même dormir, excuse-moi, mais un Pokémon qui doit aller 10 PV, non avec 15 PV par attaque, ok. Mais en fait Spwink c'est un Pokémon, en fait je crois que c'est un Pokémon qui ressort, parce que je crois que son histoire c'est un Pokémon ressort et en fait s'il arrête de rebondir il meurt. Ouais c'est ça, non tunnel vraiment marteau bois tu vas juste infliger des dégâts pour rien. Oh quoique, est-ce que tu t'infligerais vraiment de gros dégâts en fait avec tunnel? Pas si énorme que ça. Là la guérison, donc là il est redevenu normal. Bon on y va, YOLO hein. YOLO YOLO SWAG. Et bah ça te fait pas KO mais bon ça te fait quand même pas mal. Et on va mettre ouais. Sur puissance pour peut-être terminer. Vu qu'il s'est physique coup de boule il va pas me faire trop mal. Ouais bah normal, et je pourrais terminer sur surpuissance. Voilà, normalement surpuissance va le tuer. D'accord. Alors tu sais quoi, arrête de gaspiller tes surpuissances. Vraiment, c'est super important de les garder. T'as ouais bien mais là j'avais pas trop le choix. Attends, bah si tunnel. Et en plus non, mais là, tunnel ça aurait peut-être empêché, ça aurait peut-être eu le temps de faire une guérison. Non, elle gâche un seul Pokémon, une seule guérison par Pokémon. Ah bon, joli fleur, bon de toute façon tu dois switcher. Je vais switcher pour... Méa. Jolie Flore, Méa. Pokémon Plante. Software. Pourquoi? Software. D'accord. Faut toujours se méfier des jolies Flores. Donc toujours envoyer de la chair à pâté. Software, c'est pas de la chair à pâté, s'il te plaît. Non, bien sûr, une chose par, enfin une chose qui meurt 13 fois pendant qu'on a fait XP, c'est pas toute la chair à pâté. Donc je mets Rayon Signal. Ouais, c'est un bon début. Alors voyons ça. Ah bah c'est très efficace. Bah oui, c'est normal. Bon, méga corne pour la prochaine attaque. D'accord, méga corne. Et ensuite tu referas rayon signal. En fait le but c'est de l'achever sans qu'elle soit dans... Enfin ça, c'est de lui faire des dégâts sans que la chose soit dans le rouge en fait. Enfin, sans que Jolie Flore soit dans le rouge, sinon elle va se prendre une hyper potion. Sauf qu'elle va se le prendre. D'accord. Bon alors tu vas faire méga corne qui apparemment est beaucoup plus efficace. Ou bon, Osef. Tu fais d'attaque plante. Quoique je vais être plus rapide. Avec un peu de chance, Rayon Signal va passer à... Non, tu peux pas être plus rapide qu'une guérison. D'accord, donc c'est qu'elle utilisait pas de guérison. C'est bon. Ah, par contre, on va faire une petite coupure. Donc, parce que petite coupure réglementaire de 15 minutes. Parce que sinon, vous avez pas de vidéo correcte. Donc voilà, on va faire une petite coupure. Et puis, on va attendre que Knotor arrive. Ah, Knotor, ok. Donc, ça va être très intéressant, je pense. Ouais. Mais bon, on va quand même attendre un petit peu. On se retrouve tout de suite. Et nous voici donc. Avec Knotor qui va arriver, je pense qu'on va changer de Pokémon. Oui, clairement, Knotor est un Pokémon de type normal. Non. C'est un Pokémon de type normal et haut. Donc si t'envoies un Pokémon haut sur un Pokémon haut, ça fait pas bon. Par contre, si t'envoies un Manzaemon sur un Pokémon haut, ça pourrait faire effet. Donc ça prend une fois qu'on sort Manzaemon de la ligue. Ah non, deuxième fois, pardon. La première fois, on était Folian. C'est un bon Pokémon. On est quand même ultra laser. Folian, ouais. Attends, bon Pokémon parce qu'il est ultra laser, je suis désolé, mais pour moi ultra laser c'est vraiment une attaque bof bof. Hein. Quand même, laser, c'est quand même une des plus puissantes du jeu. Oui, mais justement, tu apprends. Ok, Picor. D'accord, il te picore avec ses petites dents là. Lance-soleil? Mais non, mais je te l'ai dit, lance-soleil c'est juste une attaque ridicule. Non seulement elle n'a que 60 de puissance au final, puisque c'est 120 divisé par 2 tours. Mais en plus, si pendant le tour où tu charges attaque, tu te prends un dégât juste énorme, ça t'empêche de switcher. Donc non, franchement, là tu peux utiliser lance-soleil par exemple. Parce que là, si tu l'achèves pas, elle veut une guérison. Enfin, il y a des risques qu'elle utilise une guérison. Donc bon, là, Fouillian. C'est bon. Ok, d'accord. Pff, heureusement que l'IA est un peu foireuse aujourd'hui. Hein. Oh, ouais, aujourd'hui. LOL. Yo, ça va. Dardanian. Bon, allez, Pokémon Feu terminé. Non, Dardanian, on va y aller en mode YOLO Swag. Tu vas envoyer le pire Pokémon que t'es. Mooney, allez, vas-y, envoie Mooney, on va rigoler. Pourquoi? Parce que des fois, eh ben, faire un peu de challenge, c'est pas plus mal. Ouais, mais bon, n'empêche. On parlait d'Anaspico tout à l'heure, eh ben voilà, t'as son évolution finale. Bon, de toute façon, t'en fous, gros fatal. Non, remarque, Giclédo, tiens, allez, Giclédo. Juste pour montrer à quel point on est swag.
C'est vrai que c'est une attaque soi quand même. Ouais, et puis surtout que 120 puissance, je crois, de base. 150. 150, ok. Alors, crochet venin, aïe. Ça, je déteste cette attaque. Oh, oh lolo. C'est une catastrophe, tu switches. Tu switches sur Méa. Tu m'engueules parce que tu crois que je... Non, mais sérieux. J'avais dit Méa parce que je savais que j'allais tuer avec Méa. Ouais, non, mais je voulais essayer de voir si Mouni pouvait quand même battre un Dardanian. J'en ai même pas capable. Mon crochet venin, les chances qu'il t'empoise une deuxième fois sont extrêmement faibles. Et surchauffe. Surchauffe, ouais, on passe embêter. Ouais, parce que bout de feu là, tu te ferais quasiment du one shot en fait, mais sur toi. Lui, tu le tuerais, mais toi, tu te auto one shotterais, serait un peu ridicule, donc nope. La dernière est KO, normalement. Ouais, attaque spé du Méa baisse beaucoup. Donc t'as moins 2 en attaque spé. Ce qui veut dire que tu vas devoir switcher ou taper à la bout de feu. Qu'est-ce que c'est le dernier Pokémon? Taignon. Taignon. Tu restes, tu fais rapace. Fini. Merci d'être passé. Ouais, donc merci d'avoir vu cet épisode. Non, mais... il reste encore un dresseur après. Ouais, non, 2. Dommage, t'as pas vu la phrase. Je peux sentir ta détermination en montée en toi. Ouais. Donc rapace. Rapace de pique. Non, s'il te plaît, rapace de pique, c'est quand même un bon Pokémon. Enfin, LOL, petit rapace de pique, c'est un bon Pokémon. LOL. Bon Pokémon. Au niveau design, après, niveau capacité, c'est vrai que c'est pas le bon. Non, mais c'est sûr que t'as le choix entre... Même Roucoupe, c'est plus puissant qu'un rapace des piques, pour te dire, en fait. Ah donc, bon voilà. Mais oui, non, mais rapace des piques, c'est de la merde. Je m'attendais pas à ça, j'ai perdu Blala, même si je n'aurais jamais pensé perdre, pas une seule seconde. Allez, ta gueule, casse-toi, file les sous. J'ai poussouflé, tes Pokémon et toi être fantastique, mais allez, casse-toi. TGF remporte 6840 Pokéballs. Pokéballs. Alors. Wow, que dire? Tu m'as réduit en cendres. Putain, ce jeu de mots, mais mon gars. Sérieux? Saute dans les flammes. C'est tout. Va ce en enfer. C'est tout ce qu'il dit. Ouais, non mais je sais pas, mais ce jeu de mots surtout quoi. Non mais allez. Bon, allez, on soigne nos Pokémon comme d'habitude. Utilise un total soin plutôt que de. Ah oui, pour Mouni. Bah d'ailleurs, tu devrais peut-être faire une coupure parce que quoi que, on a pas beaucoup de Pokémon soignés. Ouais, il y a du quoi. Cela, il y a pas beaucoup de choses à faire. Contrairement au premier où il y avait beaucoup plus de dégâts, là, c'est bon. Quoique, putain, quand j'ai l'état de la team quand même. Ah, ça va quand même, y'a pire. La 3 hyper potions, ça aurait allé. Hein. Pop. Méa. Et normalement, peut-être Samaï également. Ouais, Samaï également. Et puis Sauf-Wear, on gardera comme ça. Ouais, Sauf-Wear, de toute façon, on s'en fout, ça sert à rien. Mais non, arrête de dire ça, sérieusement. Non mais vraiment, mais Lumivol quoi, non mais quelle énorme blague. Quand j'ai vu que tu avais définitivement intégré à ta team, j'ai failli en faire une syncope hein. Ah bon? Ah ouais, non mais attends, mais Lumivol. J'ai presque aussi peur quand tu m'as... En fait, je pensais que c'était une blague en fait, quand tu disais ouais mais tiens, je vais intégrer à ma team. Ah, il est drôle. Ah merde, il est sérieux. Bref, c'est à toi de lire cette fois-ci hein. Ok. Je viens de me taper l'excité. Par contre, je me taperai Cynthia parce que connaissent ma voix de Cynthia. D'accord. Mais parce que c'est elle. Hein. C'est ouais, bon, bref. Le truc que tu rencontres toujours champion. C'est tout à fait bizarre. Iris, par exemple. Bah quoi, Iris? Bah c'est pareil, hein. Sur blanc et blanc 2 et noir 2, elle te suit. Bonjour. Elle te suit, bonjour. Et après. Ah bah tiens, je suis champion final. Ok. En fait. Pas que moi, je n'ai jamais joué à noir et blanc 2 en fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dire parce que machin, mais en fait, non, je sais pas. J'ai jamais joué. Je peux prendre la voix Vas-y, mais commence à parler. Ah, tu pouvais mieux tomber, je viens tout juste de finir mon livre. Mais je me suis pas encore présenté. Je suis Luxio, accepte des Pokémon de type Psy. Sauf que je suis pas en type Psy en version randomizer. Comme vous le savez, les randomizers sont un peu différents. Je dois dire que je suis très impressionné par ton parcours. Tu es vraiment un dresseur déceptionnel. D'exceptionnel? Oui, c'est pareil. On te considère comme le membre le plus redoutable des conseils des quatre, en match du dernier. Je ne te laisserai aucune chance. J'en ai bien peur. Tu dois me montrer à ma hauteur, à la hauteur de ma réputation. Et allons-y, quatrième... Et c'est parti pour l'armée d'Aspico! Ou de Magikarp.
En fait, je sais même pas si c'est une fille, mais c'est un garçon. Mais non, c'est un mec, il s'appelle Lucio. Il s'appellerait Lucia, Lady Chloé. Bon, Florisson, là tu restes, il fait tunnel, suivant. Parce que c'est un Pokémon combat également, c'est ça? Non, c'est un Pokémon feu. Un Pokémon feu. Non, c'est là. C'est un starter, celui qui évolue en Typhlosion. Ah, Typhlosion, effectivement. En deuxième génération. Évolution d'Hérissandre. Ouais, évolution d'Hérissandre. C'est vrai que moi j'ai pas pris Hérissandre, moi quand je suis en deuxième génération, je prenais toujours quasiment tout le temps. Comment dire? Kaiminus. Kaiminus, ouais. Oh là 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 là, t'es un Kikou, ça y est. Il vient officiellement de baisser dans mon estime. De quoi? Pourquoi? Kaiminus, quoi. Bah Kaiminus est quand même le plus puissant des trois. Non, stop, hein. Y'a. Oh, quoi? Bah je sais pas. Blague. Non, tu sais pas. Ah bon. Bref, Samaï ça me va, gagné 1112 points d'XP et Samaï ça me va. Monte au niveau 51. C'est bien ça. C'est très Serpang. Très bien. Serpang, là tu switch et tu nous mets Voltali. Voltali pour Tonnerre, j'imagine. Exactement. Tu vois, j'arrive à comprendre maintenant, tu vois, c'est. Ouais. Parce que Serpang. J'ai gagné de la vie, j'ai gagné de l'XP. T'as level up en strat Pokémon, c'est bien. Voilà. Tonnerre donc. Donc Tonnerre. Alors surtout pas sur chauffe, hein, tu t'en doutes. C'est un Pokémon haut, c'est ça? Ouais, oui, tiens. Donc sur chauffe, comment dire? YOLO! Voilà, Serpang et Tova. Voilà. Et Amadak Pokémon... a monté au niveau 51 entre deux. Hein. Oui, mais bon. Bah si, on l'avait vu, mais bon. Stylix! Donc là, c'est directement Béa. Non! Il est fou. Attends, il faut que je revoie. Si, Pokémon Feu! Le problème c'est qu'il attends, il faut taper sur le spécial envoie Mouni. Sûr. Bah, ouais, quoi Crofatal. Non, sérieusement. Tu as Crofatal, mais cherche pas à comprendre. Tu as Crofatal. Et tu lances Crofatal. Oui, non mais Crofatal, mais tu as un Pokémon acide, mais je suis complètement pété Crofatal. Parce qu'en fait, ce qui est très dur dans la quatrième génération, c'est que les attaques physiques, bah voilà quoi, sur un Pokémon acier, grosse blague. Alors, est-ce que tu vas prendre très cher? Oui, tu prends très cher. Bon, bah voilà, et Saumur, pris, pourquoi tu le tues? Sinon... Si tu le tues pas, tu perds Mouni. Bah c'est très... Oh putain! Bon, bah, rip Mouni. Ah non! Ah bah voilà, c'est toi qui l'achèves. Bah c'est magnifique, putain, mais heureusement que l'IA est vraiment foireuse. Oh là là! Oh non, je t'oublie pas! Ah non! Ah oui, t'es mort. Oh, hey. Bon, dans tous les cas, là, tu fais la chose avec Méa, donc c'est bon. Le sacrifice de Mouni n'aura pas été vain. J'avais pensé à Méa parce que c'était un Pokémon, justement... Sauf que si tu avais... T'aurais été obligé... Non, surchauffe, hein, déjà, je plaisante pas. Le truc, c'est que, justement, tu n'aurais pu l'achever efficacement qu'avec surchauffe. L'attaque bout de feu n'étant pas très efficace du fait de la défense très élevée de Stélix. La défense brute, hein. Je parle pas de la défense P qui est absolument ridicule, c'est pour ça que surchauffe, mais défense brute est très très élevée. Donc il fallait que tu tapes sur le spécial, et je voyais que Mouni en fait. Et Méa monte au niveau 51 pour 2. Exact, c'est pas mal, de bonnes stats. Rat attaque, alors là... Le garde. Non, tu switch, t'as eu une baisse de stats, il faut que tu changes. Ouais, Ayamadok. Rat attaque. Tonnerre. Envoie... Ouais, Yamadoc. Donner, j'imagine. Oui. Et tu fais moi d'abord. D'accord. On peut rigoler. C'est moi d'abord ultra laser. What? Bah écoute, ce serait une excellente chose pour nous. Hein. Moi d'abord. Mais c'est là il joue. C'est pas de chance. J'ai de sable. Ok, bon allez, tonnerre, c'est bon, j'ai compris, ce Pokémon est totalement à chier, il ne mérite pas. Il rate son attaque. Ah, ça y est, au revoir. Tranche. De toute façon, il va se paralyser au bout d'un moment, ça va être trop drôle, comique, aïe, bobo. Toujours tonnerre. Normalement, il va pouvoir se paralyser, je pense. Ouais, les chances de paralyser. Ça le tue pas, ça le paralyse, normalement. Ça le tue pas, ça, en effet. Ça le paralyse pas, merde. Pas de bol. Et là, tu risques de mourir. Ouais, t'es mort, ok. bon, envoie ça, pour le finish. Ça, il faut le finish, marteau bois. Mais pourquoi tu veux impérativement utiliser marteau bois? Bah, ou surpuissance, mais au tunnel. Marteau bois, allez, c'est bon. On va leur montrer l'animation de combat, ou hein, fin de l'attaque. Elle est belle, franchement. Jugement. C'est quoi ça? Oh, c'est l'attaque finale d'Arceus. Ah bon? Oh putain, mais c'est des malades.
Attends, mais n'importe quoi, quoi. En fait, Arceus, c'est quoi comme attaque? C'est une attaque de, justement, de... C'est Arceus. Waouh. Ah, Moufouette, tu switch, clairement. Moufouette... Non. Mandemon? Non. Sauf quoi? Oui. Rayon signal? Non, tu soignes sa maille. Donc ce que je disais, c'est que Arceus, donc c'est le dieu des Pokémon en fait, et au haut level 100, donc l'attaque ultime du dieu des Pokémon s'appelle Jugement. Et bah comme vous avez pu voir, elle chatouille. Un peu. Donc tu fais une hyper potion donc sur sa maille. C'est soin PVPP. Oui bon, ou alors voilà. Et je t'avais prévenu que t'aurais plus besoin des hyper potions que des grisous. Ouais, bah pour l'instant on est quand même bien. Hein. Ah oui, non mais on est très bien pour le moment. Et puis après voilà, on va faire une petite pause pour le dernier. Ouais bah oui forcément. Software donc, on va tenter. On va tenter au SWAT. Attends stop. Rayon signal. Casse-brique. Ah trop tard, j'ai mis rayon signal. Ah oui non, de toute façon non, je suis con, casse-brique là-dessus, énorme blague, pardon. J'avais oublié que c'est Software qui avait l'attaque. Ah c'est mort. Bah en effet, elle est morte. Ouais, Software est morte. Non, ouais elle est pas morte. Elle est morte. Empoisonnée, cherche pas. YOLO bye. Oh là là, bon bah ça c'est fait. Et donc bah ça maille hein. Ça maille donc. Ça maille tunnel. Et Moufouette KO. Donc après, dernier. Ouais. Toxique, bon c'est pas grave, Osef. Pour ce qui lui reste en Pokémon hein. Empoisonné quand même hein. Ouais mais c'est pas grave. Guérison donc, je mettrai guérison tout à l'heure. Non, ben non, hyper potion, total soin. Je me mets de guérison, attends, j'ai encore des guérisons, faut pas que j'ai... Mais les guérisons, tu les gardes pour les combats, je t'ai expliqué pourquoi c'était super important les guérisons. Ouais. Même si on a acheté la personne. Nous avons presque point d'expérience, et on a battu Lady Chloé. Ah, je vois. Tes précédentes victoires n'ont été que des pas dus. Ah, la chance, ta force est réelle. TGF remporte 7080 Pokéballs. Toutes mes félicitations, tu as battu le conseil des 4. Wouhou! Non, c'est pas le conseil des 4, c'est le conseil 4, tout simplement. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On l'a appelé conseil des 4 au départ. Hein. Oui, non, mais la vraie traduction devrait être conseil des 4. Le truc, c'est que ces abrutis de traducteurs de Pokémon France, ils ont appelé ça conseil 4. Ces types sont des attardés, mais on appelle ça conseil 4. Cependant, cela ne veut pas dire que tu en as fini avec la Ligue Pokémon. Il te reste à affronter le maître. Mais laisse-moi te prévenir, le maître est bien meilleur que le conseil des 4. Allez, Fougueux Dresseur, la route derrière la gloire est devant toi. Voilà. J'ai le droit de faire des commentaires sur ce qu'il vient de dire. Bref. Vas-y, si tu veux. Elle est plus puissante que le reste du conseil des 4. Ouais. Et alors? Elle est plus puissante que le reste du conseil des 4. Oui, mais je ne comprends toujours pas ta blague. C'est pas grave, comprendront les gens un peu obsédés. tu devrais peut-être faire cure maintenant avant de soigner tes Pokémon, c'est juste le truc le plus chiant du monde. Effectivement, effectivement, on va soigner le Pokémon, et puis après, en ce sera le combat contre le maître. Ou peut-être la maîtresse, on sait pas. Tout de suite, tout de suite. Et nous voici. Donc on a soigné Pokémon, nos Pokémon sont prêts à battre le maître de cette ligue Pokémon. Toujours avec Mentalis, hein, toujours. Ah bon, je suis toujours là. Ah oui, toujours là. T'es toujours là. Et donc, on a soigné un Pokémon, tous sont prêts. On a mis même des huiles. Et maintenant, ouais, on va se diriger vers le maître ou la maîtresse. On va savoir tout de suite. Donc moi, ce que je dis, on les a massés avec de l'huile. Ils ont adoré ça. Ça a été des massages sensuels. Là, c'est quand même comme couloir. Hein. Bah en même temps bah c'est normal, c'est le maître. Bah, je sais pas. J'ai peur, je pars. Je me barre. Non, je vais pas partir. Non. Ça me rappelle quelqu'un, va savoir qui. De qui? Bah mon let's play, ça me fait pareil sur Nuzlocke. Oh, Nuzlocke, pardon. Et donc là on y est. Ok. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour le mont couronné. Et pour le mont distorsion également. Toi et tes Pokémon avez surmonté toutes les épreuves ensemble. Tu as beaucoup mûri, ça se voit, tout de suite. Cette force que tu as accumulée, je peux la sentir émaner de toi. T'as une éjaculation, pardon. Oh mon dieu. Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses.
Moi, sérieux, maître de la Ligue Pokémon, j'accepte ton défi. J'accepte ton défi. On peut essayer de faire la levrette. Sérieusement, cet épisode sera Peggy 18, ça c'est clair. Ouais, super, j'ai vu ça passer un épisode de Pokémon en interdit au moins de 18 ans. Et voilà. Bon, pis. Eh ben ça commence, j'ai bien fait de te demander de laisser sa maille. Bon, bah alors, au tunnel. Véronica, champion Véronica, Ortide. Oh putain, tu vas prendre... Ah, quoique, attends, il est poison aussi. Donc il y a peut-être une chance que tu infliges des dégâts sérieux. La chanson est quand même bizarre, hein. Je trouve bien de... Ah oui, là, elle est énorme. J'adore la musique de Cynthia. Franchement, elle est... Toutes les musiques de Dresseurs Finaux sont quand même très belles. Ouais, bof. Switch, tu switches clairement sur Mea. Là, on va y aller en mode YOLO ultra puissance. On va lui dépop sa gueule. Et violemment. En avant, Mea. Méga fouet. Oh, tu le sens, méga fouet. Quoi? C'est elle qui a lancé l'attaque, hein, c'est pas moi. Chauffe. Ouais. À ton attaque. D'accord. Direct Mea toxique. Va tout de suite t'acheter du collier, s'il te plaît. Ouh, direct toxique quand même, ouais. C'est pas mal, hein. Bah c'est normal. Rate, putain. Espérons qu'elle te refasse pas direct. Ok, d'accord. Au revoir, YOLO. Bout de feu. Au moins que tu meurs en héros. Je suis un héros. Pff. Et ça le tue pas. Et là, c'est ça, ça le tue pas. Ça aurait été con. Ouais, ça aurait été très con. Bon, double KO. Ouais, mais bon, au moins, t'as sa maille qui a de l'XP. Bon, et tu renvoies sa maille, donc. Renvoie sa maille. Ouais, bah, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il va envoyer, donc on va prier pour qu'il... Non, ça, c'est software. C'est pas la même chose. Tarinorm. Tarinorm. Bon, marteau bois. Clairement. Tu voulais avoir l'occasion d'envoyer l'attaque, et ben, c'est le moment. Ça fait qu'un petit proche. Du mignon canon. Tu vas prendre juste la branlée de ta vie. Je déteste Rinor. Pardon. Bon, déjà parce qu'il a une sale gueule. Et aussi franchement, parce que... En fait, c'est un mec qui a une moustache. Ok, bon. Tu switches, il a beaucoup trop de défense. Envoie software. Pourquoi? Pour la tuer. Voyons ça. Pour le tuer tu... Pour la tuer non, ou pour tuer Karina? Pour la tuer elle. Pour la tuer elle. Mais pourquoi? Et tu vas... Parce que faut que tu fasses un switch et je préférais que l'autre Pokémon soit avec toute sa vie. Et à fort que tu envoies Mooney, tu vas faire Crofatal Surf. Attends, YOLO Strat. Attends. Non, alors déjà. Non, mais fallait pas attaquer, espèce d'andouille. Fallait en profiter pour soigner Mea. Ouais. Je lui ai dit, Software, c'est vraiment le Pokémon sacrifice. Non. Ça, c'était pas très efficace. Ça, c'est méchant envers Software, quoi. Software, mais. Ah. Au cas où Software regarderait cette vidéo. Software. Je ne te connais pas donc je te juge pas. Voilà. Je pour ces vidéos. Bref. Et mais par contre, je suis désolé, mais Bimivol c'est de la merde. Envoie Mooney. Pour Crofatal Surf. Crofatal Surf. Crofatal Surf sur le mur. Là à mon avis ça va le faire très mal. Tu les sens mes longues dents. Mes longues dents de cœur. LOL, énorme blague. LOL, ça va faire mal. LOL, boum. Saumur. Ouais, Saumur. Ah, vas-y, dis-moi que tu l'achèves. Très utile. Très, Oh putain. Oh putain de merde. Punaise, pardon, je voulais dire punaise. Je ne suis pas vulgaire. Bon, YOLO Strat. Stop. Elle va se soigner. Fais Crofatal. Crofatal. T'avais raison. Je sais. Normalement elle a 3 guérisons, si je me souviens bien. Donc là dans tous les cas, Mooney KO, donc tu utilises Surf. Ok, d'accord, pistolet au point, ça on peut pas lutter. Donc ça confirme ce que je pensais, Tarinorm est de type acier. J'en sais foutrement rien. Je t'invite à envoyer Ouais, Yamadoc. Donc Yamadoc et... qui est la personne qui a fait tout ce beau overlay que vous voyez. Je t'invite à faire moi d'abord. Pourquoi moi d'abord? Parce que je suis une attaque qui me fait tellement triper. Moi d'abord. C'est là où séisme, c'est lol. Point antique. Bah remarque, ça fait beaucoup de dégâts hein, puisque Voltali. Ah, oui, non, mais il est assis, j'avais oublié. Oh là là, le hub de stats. Le hub de stats qui va nous permettre de gagner la ligue. Voilà, c'est tout.
Alors, pouvoir antique. Normalement, c'est pas normal qu'il fasse un up de stats comme ça. Bah si, la up de... mais c'est tellement rare, stop tonnerre. Alors, normalement, tu devrais le toucher. Oui, c'est bon, tu le touches. J'ai quand même un petit peu peur qu'il soit type sol. Donc, attends, il est acier roche en fait. Wouah, putain, mais juste, mais Voltali est un monstre. Alors, je sais pas ce qu'il va envoyer juste après, mais à mon avis, tu peux te permettre de rester selon moi. Le Vénard, oui, bah tu restes. Le Vénard alias sac à bébé. C'est pas grave, tonnerre, tu vas voir que le sac à bébé il va pas rester très longtemps sur le terrain. Tonnerre. Oui, tonnerre. Avec les défenses, avec l'attaque SP qui est quand même déjà bien attaqué. Alors, non, alors, justement, attends, quoi que tu pourrais pas laisser le Vénard en vie, j'ai une 62. Idée. Lilliput. Ok. Alors, ce que tu vas faire, stop, c'est que tu vas aller dans objet. Ok. Objet combat. Précision plus. Est-ce que tu as non défense plus descend. T'as pas de l'attaque SP plus. Spécial. C'est pas ça. Attends, appuie sur A. Ouais c'est bon, c'est ça. Allez vas-y. YOLO, c'est parti pour faire des dégâts de ouf. C'est parti pour faire des dégâts de ouf. C'est parti pour faire des dégâts de ouf. Pff, Ultima Washi, non mais sérieusement. Hop là. Alors, tonnerre. On est des dingues. Et là tu le touches. Et ça touche. Est-ce que ça fait mal? On va dire que ça chatouille. Hein. Ultima Washi. De toute façon s'il me fait Ultima Washi, je vais mourir. Enfin je vais le tuer avant. Attends, Sandoni t'enlève. Ouais mais en fait il y a tellement pas d'attaque ce Pokémon. Alors ceux qui disent que le Vénard. C'est un gros tank. Alors ceux qui disent que le Vénard ou le Fauri sont de très beaux Pokémon, allez juste vous faire soigner. Ils sont beaux. Attends, ça, tu, attends je, répète-moi ça. Ils sont beaux. Attends, répète-moi ça. C'est mignon, c'est le Vénard. C'est est-ce que tu connais une seule personne au monde qui fait sa team en fonction de la beauté des Pokémon? À part les Kikou qui commencent le jeu. À part ça, oui. Par contre, j'ai Dynavolt, 3000 expériences, quoi. What? Ok, Dynavolt. Non, mais c'est normal. En fait, l'XP, il faut le savoir, est calculé par rapport au PV restant. Dynavolt, alors ça me fait chier que tu switches, donc tu vas rester, tu vas faire moi d'abord. Dynavolt. Ah oui, t'inquiète pas, moi d'abord. Non, c'est un Pokémon électrique, quoi. Je sais, moi d'abord. Ne fais pas surchauffe parce que tu vas baisser ton attaque SP, en fait. Donc c'est pour ça. Mais d'abord, mais là, Rion Gel. Ben voilà, ben c'est parfait. Donc au final, tu vas y faire de très très gros dégâts. Le one shot, peut-être pas. Il y a une différence de level assez énorme, quoiqu'il a pas de défense. Ouais, voilà, ben one shot. Je te l'ai dit, mais moi d'abord, c'est juste n'importe quoi comme attaque. Et il monte niveau 52. GG. Alors, Pichu, ça... c'est le seul Pokémon qui restait, je crois. Non, il en reste encore un après. Donc, Pichu. Je sais pas. Il en reste encore un après. Et encore moi d'abord, parce que YOLO. Alors, donc, on pourra dire que Ayamadoc a soloté toute la ligue. Ah, voyons lui. Ok. Bon, re-spam. Spam moi d'abord. Au bout d'un moment, il va bien vouloir attaquer. T'inquiète pas, il a 5 rayons lune. C'est plutôt cool qu'il les dépense comme ça, comme un crétinas. Ok, bah écoute, on va continuer comme ça. Mais sérieusement, Pichu, c'est la seule attaque que tu as? Mais oh, allo Pichu! Bon, tu restes que 1 si je me cours pas. Ah non, bah c'est. Point éclair. Point éclair? Ah merde, ça, ça craint. Bon bah, juste après, tu fais tonnerre et puis tu le termines. Ah, sauf si tu le one shot. Je le one shot, mais je me fais paralyser. Ça étonnerait que le Pokémon, le dernier Pokémon soit super dangereux. En principe, le dernier, c'est toujours celui qui fait rigoler. Mais Tang. Voilà. Alors toi, c'est, en fait, c'est ton Pokémon que j'aurais dû avoir à la fin de mon Nuzlocke sur Emerald. Ah bon? Bah oui, bah Metang, c'est le... C'est le Pokémon de finale de... Normalement, c'est Metalos. Bon. Bref, donc là, tu fais tonnerre. Non, c'est tonnerre. Allez, yo. Malgré ma paralysie? Oh oui, mais t'inquiète pas. YOLO Swag. Ouais, je voilà, me rappelle pas la dernière fois qu'on m'a coincé comme ça. Que l'on raconte. Non mais je sais pas, non mais... Je suis désolé, mais on dirait qu'elle le fait exprès, on dirait que les développeurs ont pété un câble ce jour-là. Reflet magique. Paralysé. Bon, je vais perdre un tour. Guérison alors. Guérison, c'est ce que je pensais. Tu vois, j'y ai pensé, hein, j'y ai pensé à Guérison, je me suis dit... je vais perdre un tour, mais tant pis. Au moins, comme ça, il sera utilisable. Voilà, 71 points de vie. Reflet magique, mais il a déjà fait, donc ça sert pas à grand chose. Et un mettre tonnerre, allez.
Normalement ça devrait suffire. Ça devrait suffire normalement. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. C'est bon. Wouhou. Et on a perdu. Et on a perdu. On a perdu, ouais, Mantalis. Non. De quoi? Mantalis, on t'a perdu. Oui, non, Manta est de retour, Manta est de retour. Et on a battu Cynthia. Eh ben, c'est perdu, parfait. Tu as manqué la victoire contre Cynthia. Bon, dommage. À mon avis, ça devait pas être une énorme perte, ce que j'ai raté. À mon avis, tu as one-shot avec tonnerre, je présume. Maître, merci. Tu as one-shot avec tonnerre, je présume. Ouais. Voilà, normal, c'est exactement YOLO. Ça. Donc, je reviens à 30 secondes. Attendez, 30 secondes. Maintenant. C'était incroyable. Quel combat magnifique. Tu as réussi à donner deux Pokémon la force de se dépasser. Tu les as amenés de main de maître vers la victoire. Tu as tout, passion, intelligence. Toi et tes Pokémon, vous êtes capables de relever tous les défis. Voilà ce que je ressens après votre combat. Je suis heureuse d'avoir joué un rôle dans ce couronnement d'un nouveau maître Pokémon de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. Et donc la dernière cinématique. Exact. D'ailleurs, j'ai une idée, TGF, tu devrais aussi essayer de... Enfin, on en parlera en vidéo, mais j'ai peut-être une idée d'un truc fun que tu pourrais tenter de faire. Disons, je suis obligé de suivre, parce que je pensais en fait que je devais attendre, parce que je pensais faire un dernier cut avant de cette cinématique. Ah, il y a un truc, c'est bon, je vais pouvoir justement faire une cut rapidement, pour que vous ne ratiez pas tout le nécessaire pour les crédits de fin quand même. Donc on coupe tout de suite, et on se retrouve pour... la fin donc de ce let's play. YOLO 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 YOLO. Effectivement, YOLO, avec le mode YOLO Strat, l'épisode YOLO Strat de la mort, on a gagné contre Cynthia. Ça fait vraiment plaisir, parce que putain, j'avais peur quoi, parce que Cynthia quand même est énormément très dur. Bon, c'est un randomizer, donc on n'a pas vraiment les mêmes Pokémon que d'habitude. Ouais, en fait, c'est vrai, mais on a eu quand même pas mal de chance, parce qu'il y a eu des combats relativement durs au début. Et puis bon, je reconnais que sur la fin c'est devenu un petit peu pathétique. Mais j'avoue que il y a eu un minimum de challenge. C'était vraiment très challenging. Bon, la première version je l'ai raté, hein. C'est pour ça que j'ai appelé Mentaliste à la rescousse, heureusement d'ailleurs. Parce qu'il a quand même bien aidé, comme vous l'avez vu. À mon avis, t'aurais pu te passer de mon aide. Enfin voilà. Ah, mais quand même, je voulais t'inviter parce que tu m'as invité là, dans tant d'épisodes. Et j'ai jamais pu t'offrir. Ça. Ouais, en même temps, je reconnais que c'est une énorme faveur que je te fais en acceptant de venir dans tes vidéos. Oui, mais maintenant tu m'as dépassé, c'est normal quoi. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Bon, allez, on revient dans l'histoire. Nous allons entrer dans le Panthéon des dresseurs. Oh! Ah, monsieur. Ah, y'a Papy Grenier! TGF, ton dernier combat était magnifique! Oh, bonjour, professeur Sorbier. Ah, stop. Je t'ai quand même à signaler que le type, il se pointe à la ligue Pokémon comme une fleur, genre « Hello tout le monde !» Il vient directement au hall des dresseurs, c'est-à-dire l'endroit où seuls les meilleurs dresseurs du monde peuvent aller. Le type, il y va en mode YOLO. Je t'ai à signaler quand même à quel point ce type est un taré. Hein. Ben, c'est le professeur, hein. C'est le professeur. Bah, et alors, c'est pas parce que t'es professeur que t'as le droit d'aller. Mais il a dû avoir un spécial pass, il a dû se dire « Oh putain, c'est un de mes élèves qui a eu le maître Pokémon, il faut que j'aille le voir !» Oh mais non, mais même, c'est n'importe quoi, attends, excuse-moi, mais le type c'est pas comme genre « Hello tout le monde !» Bah c'est comme ça en chaque Pokémon, donc tu... Non mais professeur Shen, je veux bien, parce que c'est juste le professeur le plus connu du monde, en fait, du monde de Pokémon, on en parle quasiment toutes les régions. Mais Sorbier, enfin je sais pas, déjà il y a un nom à la con, puis le type sert à rien, non, je suis désolé, il a pas à se poser comme ça n'importe où. Attention. Une jeune personne que j'ai engagée dans mon projet de Pokédex arrive jusqu'ici. Pour rien au monde, je n'aurais manqué ce couronnement. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais, mais même, il n'empêche, il a pas à se poser ici comme une fleur. Il a qu'à se taper tous les autres combats avant. TGF, je crois que tu as beaucoup mûri. Tu es maintenant un vrai maître. Professeur, je vois que vous appréciez toujours la spontanéité et l'enthousiasme des jeunes dresseurs. TGF, suis-moi s'il te plaît. Accompagnez-nous, professeur Sorbier.
Alors, je tiens à signaler quand même que techniquement ce putain de professeur n'a pas à rentrer ici, c'est une zone réservée aux champions. Attends, faut au maître. Ouais mais au maître, mais bon on empêche, il est là, c'est quand même le professeur de base. Ouais mais non mais il craint. Ah attention. La dernière fois que je suis venu ici, t'es remonté à, très bien longtemps. À bien longtemps. À très bien longtemps. Oh, ça va. Si la dernière fois remonte à mon couronnement, en effet, ça fait un bon bout de temps. TGF, bienvenue au Panthéon des Dresseurs. Ton nom et ceux de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de tes aventures resteront gravés ici. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi à travers toutes les épreuves. Cette machine va enregistrer tes prouesses pour l'éternité. La fameuse cinématique de fin. Yeah! Et voilà! Avec la musique absolument épique. Au Panthéon. Bienvenue au Panthéon, Sam et Sam va Dovan niveau 41, niveau 51. Bienvenue au Panthéon, Manzaemon, Philaïf, niveau 50. Bienvenue au Panthéon, Software, Limivol, niveau 50. Bienvenue au Panthéon, Moni, Love Disc, niveau 50. Ouais! Bienvenue au Panthéon, Mea, Dakofo, niveau 51. Ouais! Et enfin, bienvenue au Panthéon, Ayamadoc, Voltali, niveau 52. Et bienvenue, Maître de la Ligue, félicitations, TGF ID 55, 259, temps 37h57. Vendu! Il a acheté sa victoire! Et sauvegarde en cours. Voilà, on y est, fini. Fini ce let's ouais. play. Hein. C'est 36 épisodes. Je pensais que j'en allais faire 35. Mais bon, j'ai un peu sous-estimé la route victoire. Ah bon, elle était si dure que ça? Parce que j'ai. En fait, elle est assez labyrinthique, on va dire. Ah oui, ça, c'est ça. Elle est labyrinthique, et bon, j'y ai pas pensé en fait. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oh là! Parce que t'aurais dû bien compliqué. Ce que t'aurais dû faire en fait, c'est en voyant que tu étais coincé, faire ça en un seul épisode, cela étant, tu sais, faire un accéléré avec la musique de Benny Hill. Tu sais que j'aime pas l'accéléré. Ah oui, non, mais le problème, c'est que l'accéléré, c'est juste tellement utile à certains moments. Et donc là, vous avez vu les comment dire. Crédit qui défile avec notre jeune dresseur qui est parti de bon augure, qui a réussi toute son aventure. C'est déjà la fin. Bon, encore qu'il ait réussi. Hein. D'ailleurs, il faudra que je vous montre un article que j'ai lu donc tout à l'heure. C'est un truc de fou en fait. Ouais, je l'ai lu aussi, je crois. Si c'est le même que tu penses, je l'ai lu. Celui-ci. Celui qui a été tweeté par Bob Lennon. Oui, c'est exactement ça. Ok, d'accord. Ouais. Non, il est délirant quand même cet article. Oui. Et donc voilà toutes les personnes qui ont participé au jeu, hein, comme d'habitude, hein, c'est comme ça que fonctionnent les crédits. On va pas changer ce qui n'existe pas. Ah bon qui... la base. Hein. Tiens, là tu vas pas écrire Mentaliste qui est en train de défiler, non? Non. Merde. Mais bon, je te remercie parce que c'est vrai que normalement, tu sais, c'est de Let's Play, on devait le faire ensemble. Tu t'en rappelles? Ah si, alors, on leur raconte l'histoire ou pas? Oui, on peut le rappeler si tu veux, y a pas de souci. En là, fait, c'est... initialement, on était censé faire ce let's play à deux, c'est-à-dire que normalement vous auriez dû avoir nos deux écrans en même temps, enfin les quatre écrans en fait au final, sur la même page, et on aurait dû faire donc ce let's play dans les règles tous les deux ensemble. Le problème c'est qu'il se trouve que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu aider TGF dans cette démarche, et donc que malheureusement il a dû faire ça tout seul, et en plus c'est joué à deux jours près quoi. Lol. Enfin, t'as eu du bol, remarque, parce que si on avait commencé le let's play et qu'après voilà, enfin voilà. Après oui c'est vrai que tes problèmes personnels avaient problématique. Et c'est aussi pour... Enfin, c'était, tu vois j'avais pas pensé vraiment à t'inviter dans ce let's play parce que je me suis dit je sais pas faire. Clairement ouais. Je sais pas faire les tubes multi-commentary, dual commentary. Bon j'avais fait sur Poké, enfin sur GTA. Mais c'était un peu différent parce que c'était un peu différemment joué. Tu vois. Et, ouais, et c'est là vrai. C'est la première fois que je le fais en live comme ça, version live. Sur un jeu justement que j'adore et que je termine avec toi. Et je me suis dit, quand tu m'as aidé au début, je me suis dit, il faut que tu viennes participer à ce final, quoi. Clairement, et c'est pour ça que tu as accepté, ça me fait vraiment plaisir parce que sérieusement, tu fais partie des personnes que j'apprécie le plus sur YouTube. Clairement, d'accord. Clairement, dans tous les cas, enfin, il en est de même de mon côté, TGF. Franchement, j'adore vraiment ce que tu fais. J'adore tes let's play. Et j'avoue que, bon, moi de mon côté, ça m'a beaucoup embêté de pas pouvoir faire cette série en coop avec toi. Mais cela étant, peut-être qu'un jour on pourra faire une série en coop. Hein, ah, bien sûr, c'est toujours en possibilité. Y a aucun souci, de toute façon. Genre un Nuzlocke à deux.
Clin d'œil, clin d'œil. Pourquoi pas, ça tellement peut, magique. Ça, ça peut être une idée, hein, ça peut être une idée à faire. Et pense toi toujours les comment dire les crédits. Les crédits qui défilent. Attention, avec, des boîtes, elles vont te chier dessus. Avec toutes les avec les Français qui ont aidé à la traduction du jeu. Bravo les gars, vous savez même pas traduire Conseil des 4. Vous êtes des génies. Oh là là. Et il faut dire que certains jeux ne sont pas localisés en version française. Et c'est Tony 5, s'il vous plaît, Capcom, écoutez-nous. J'en profite. Ils vont regarder une vidéo de Capcom, va regarder une vidéo de Pokémon pour entendre ça à la fin, bien sûr. Ah, et oh, ça va, et oh. Mais c'est vrai que, bon, sinon c'est vrai que Pokémon, c'est quand même une base, hein. Tout le monde a joué avec Pokémon, que ce soit Pokémon bleu, rouge. Ah, et mieux encore, tout le monde a aimé Pokémon à un stade de sa vie. Et ceux qui sont verts sont juste des menteurs. Ou des types qui n'ont jamais ou trop jeune jouer, mais ou trop jeune, parce que c'est vrai que maintenant les jeunes ils... Mais non, mais même les jeunes maintenant, il y a toujours des versions de Pokémon qui sortent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les font de plus en plus facile. Regarde la dernière version Noir et Blanc 2, je suis désolé, mais ils ont tellement simplifié le truc. Et donc là justement, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il y a Pokémon XY XY qui est calqué sur Paris apparemment. Ça va être très intéressant d'ailleurs de voir qu'on va pouvoir traduire la France, parce qu'en fait c'est la France, qui est la base de ça. Satoshi Tajiri, Satoru Iwata, Satoshi Tajiri, le créateur officiel de la série des Pokémon, qui est toujours, on va dire, devant les affaires de Pokémon, toujours. Non, moi je le savais pas, mon perso je connais pas son nom et j'en ai rien à foutre. Et voilà, nous rentrons à la maison. Ouais, j'adore l'effet que ça fait, tu sais, c'est limite du image par image là en fait. Et voilà. Fin de ce let's play. On va quand même continuer, je sais pas si t'en penses, que si on veut continuer un petit peu ou si tu veux arrêter là. Bon, moi je peux faire ça dans un autre épisode, voyons, attends. Dans un autre épisode ? Bah oui, bah attends, on va pas aller bourrer, attends, l'épisode fait combien de temps déjà ? À mon avis, on doit bien être proche d'une heure, voire plus. T'imagines si on leur fait comme moi un épisode d'une heure et demie, ils vont péter un câble, hein. Attends, moi sur les 1h30, j'ai regardé dans les statistiques YouTube, la moyenne c'est 19 minutes sur 1h30, je me dis pas comment ça va trouver le cul quand j'ai vu ça. Et donc voilà, donc TGF 37 minutes 50, 37h57. Ouais, 37 minutes 37h57 en tout. 8 badges, 177 au Pokédex. Pas mal, n'est-ce pas? Et donc, oh, voilà. Bof, pas terrible. Vraiment très bonne aventure, et puis je suis vraiment heureux de l'avoir terminé avec toi, parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, on voulait se faire un truc ensemble et on n'a pas pu, et là, je me dis, c'est quand même une belle vengeance. Il veut se venger. Non, mais une belle vengeance, je veux dire, dans le sens où, par rapport ouais, à bah, final, tout ça, on a quand même pu tourner un truc ensemble, et c'est vrai que on va pouvoir. J'espère que bon, vous, de toute façon, le problème du son sera quand même un peu réglé, hein, par rapport à ta voix qui était une voix un peu cathédralesque. Au pire, s'ils sont pas contents, ben c'est tant pis. Je suis Jésus. Voilà, ça y est. J'espère que t'auras laissé le mode et cathédrale en fait quand j'aurai dit cette phrase. Comme ça, on pourra vraiment entendre l'effet cathédrale. Quand je... mais donc voilà, de toute façon, voilà, c'est la fin de notre let's play. Mais c'est pas la fin réellement de Pokémon par Platini Vision en de Minor Challenge. Car il y a des épisodes hors série. D'ailleurs, je pense qu'on va en faire un là tout à l'heure ensemble. Bah ouais. Pour justement parler de l'ère de combat, etc. Des trucs qu'on peut avoir dans le coin, etc. etc. Des trucs qu'on n'a pas vu. Et qui sont quand même bien intéressants. Voilà, voilà. Donc, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce qui se passe. Donc, je vous dis, j'espère que cet épisode et cette aventure en elle-même vous aura plu. Je te remercie, Mentalis, de ton aide pour en fait, tout ce qui est stratégie. Parce que c'est vrai que moi, j'étais pas de spécialiste de stratégie. Et tu m'as appris beaucoup de choses, je trouve. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir invité, merci à toi de m'avoir demandé mon avis, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup qui me demandent mon avis. Enfin, voilà. Et donc voilà, et puis également, il y aura un nouveau let's play sur Pokémon. Je vous en dis pas plus, il y aura peut-être un petit trailer au moment où sortira cet épisode sur ma future aventure qui sera sûrement sur Pokémon Soul Silver or Gold. Mais ce sera différent, hein, en fait, ce sera assez particulier. Et ce sera. Après, faut aimer le vol, on va dire. Faut aimer le vol, voilà. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Faut aimer le vol, voilà. Je dirais pas. C'est vrai qu'il faut aimer voler, hein, voilà. On dit voler dans les cieux et peut-être voler autre part.
Voilà, on arrête là. On va pas faire plus de spoilers que ça. Et j'espère que cette aventure vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Tu fais une petite conclusion et puis moi je finis. Ok, attends, tu veux juste montrer ce que c'est le finish d'un épisode. J'espère à tous que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de TGF si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à ma chaîne sur laquelle je fais du Pokémon et bien d'autres choses encore, ou sur laquelle je ne suis plus seul. D'ailleurs, je fais des vidéos avec deux amis, hein, Stro et Juliette. Je vous invite aussi à... Bah non, c'est tout. Mais voilà, c'est et tout. Voilà. Mais voilà, ça c'est un finish d'un vidéo, donc, tu vois. Et donc, on va finir par la phrase que je fais toujours à chaque fin. D'aventure à chaque fois d'épisode, c'est TGF. Stay tuned!